n'hésitez pas à vous abonner. Mais attention, vous ne pourrez plus vous en passer. Et salut bande de galopins et de galopines, ici le loup 5.1, comment allez-vous en cet après-midi? Nous allons continuer The Witcher avec Solène, que vous pouvez voir sur le petit écran, voilà, dessiné par Donny, Toxic Donny. Bonsoir Solène. Bonsoir, t'es sûr de toi? Bah oui. Pas encore le soir, c'est 18h qu'on dit bonsoir. Bonsoir Witcher. Et bonjour. Et bonjour. Ah oui, on avait le micro H1 qui marche. Micro H1. Voilà. Et on a le voice mode. Ok. Hey good, nous sommes sur The Witcher. Comment allez-vous? Je vais juste vous. Salut mes More Dreams. On va essayer de vous mettre un tout petit peu plus grand parce qu'on ne vous voit pas des masses. Hop, est-ce que comme ça. Salut Son of the Beach, salut Majora et salut Luminico. J'espère que vous allez très bien, on va vous remettre aussi l'audio du bureau, et eh bien, moi j'ai envie de vous dire, c'est parti. Chargez. Taverne de l'eau sous-poilue, poilue comme les poils de mon cul. Ça va, mais je digère. Bah, gère. Oui, chargé. Nous sommes dans la taverne. La taverne de l'ours poilu du cul. Ah oui. Salut Doris. Salut Doris. Comment vas-tu? Alors, Moukani. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bonne question. Regarde déjà dans les dans le journal. Dans le journal. Alors c'est où déjà? I. Et là tu cliques ici. Là? Ouais. Ah oui, il y a le truc du fantôme errant. Ah, le fantôme errant. On va aller le voir. Faut d'abord méditer jusqu'à. Oui. D'accord. Méditer jusqu'à minuit. Donc, ça, on vire. Et on va... parler au tavernier qui est juste à côté de toi. Tavernier! C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, ne pariez pas sur la boxe. C'est truqué. Que voulez-vous? Ça va. Vous avez une chambre. Vous avez une chambre. 5 or. Dodo. Ah, cool, des nouveaux talents. Alors, déjà, va dans héros. Dans héros. 3 talents de bronze. Regarde voir dans dextérité. Salut, Lulunico. Hello. Dextérité. Ouais, c'est de regarder un peu dans tout, là, voir si... alors, là, on peut rien mettre de plus, ok. Endurance, on peut rien mettre de plus, ok. Intelligence, pareil. Hard. On est bon, Lumi, on est bon. Quen, on l'a pas encore, Axie non plus, Yarden, je l'ai à peine débloqué. Là c'est pas mal. Ouais, tu peux augmenter les trucs, hein, du genre... Cela? Ouais, saignement plus 15, c'est pas mal. Ça, saignement je peux. Plus 15 aussi. Dégâts plus 20. Dégâts plus 25, mieux. Voilà, c'est fait. Ok. Ensuite, là, tu cliques sur la petite lune. Jusqu'à minuit. Ouais, et ensuite, tu cliques sur le sablier. Ah oui, c'est vrai. Hello, Ando. Salut, Ando. Ok, ensuite, faut aller au cimetière. Allez, vite. Là-bas? Ouais, la porte est là. Bonjour, la serveuse. Quand est-ce que... Comment que je cours, déjà? Eh, mais tu peux pas courir plus que ça. Ah bon, d'accord. Donc, je vais où? Alors, il va falloir aller au bout. Ensuite, tu prends à droite, tu montes les escaliers. Je monte les escaliers. Voilà.
Et ensuite, tu continues tout droit et tu vas au fond à gauche. Au fond à gauche. Hello, Kika. Salut, merci pour les 21 mois, Kika. Merci pour le soutien. Au fond à gauche. Au fond à gauche, comme dans ton cul. Si tu veux, hein. Affiche publicitaire. Affiche... Ah, là, là, ah, c'est lui. Ouais, il faut lui parler. Où est mon corps? Où est mon corps? Ma femme est une quête. Il va t'aider avec la boule. Merde, je me suis gouré. Attends, faut que je m'y remette. Là, t'as pas la bonne épée. Non. Ah merde, c'est laquelle? E. C'est E. Là, appuie deux fois sur E. Voilà. Voilà, ah, beaucoup plus efficace. Voilà, il m'a aidé. Il est gentil, le fantôme. Il est gentil, le fantôme. Ouais, en fait, c'est sa femme qui veut absolument qu'on s'occupe de lui parce que bah, il dit des horreurs sur elle. Monsieur. Attends, comment est-ce qu'on s'occupe de ça déjà? J'ai froid. T'es mort, tu peux pas avoir froid, mon gars. Alors. Il veut son corps, hein? Le corps de l'ordre de tout près, oui. Bon, bah, en fait, il n'y a plus qu'à l'attaquer, quoi. Où est mon cul? On l'attaque? Comment je fais pour l'attaquer? Bah, tu appuies sur E. Une deuxième fois. Maintenant, t'attaques. Mais je croyais qu'il était gentil. Ah. Il a récupéré les restes. Il est où? Il est où les restes? Attends, est-ce qu'il a laissé les restes? Non, il a laissé aucun reste. Ok, bah dans ce cas, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire ta petite life et puis attendre midi et revenir ici à midi pour te faire payer par sa femme. On revient au même endroit? À midi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Ouais, il fallait parler avec les gens des marais, donc à la limite, faut... Là-bas? Ah non, attends, on va faire mieux. retourne en arrière. Donc là-bas? Non. Non, là. Ouais. Donc, pas tout droit. Et tu vas voir, à un moment donné, il y aura marqué maison du détective. D'accord. On va aller parler avec le détective. Ah, porte de la maison du détective, ok. Voilà. Ça en avance un petit peu dans la quête principale, parce que j'avais fait les quêtes secondaires, histoire que de pas te taper les quêtes FedEx. Ouais. Parce que je sais que ça te casse les couilles. Tu as aimé ton jeu hier, ou moyen? Ouais, pille tout ce qui est à pille. Donc ça, on peut prendre. Non, ah. La vieille étagère, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux fromages, c'est cool. Je peux pas prendre ça. Ah, la corbeille et la malle. Alors, ouais. La malle. Ah, on a un bouquin. C'est quoi? Ici. Une description de la capitale de Temeria. Ah, cool. Clic droit. Alors, Vizima, comme la plupart des villes humaines, fut bâtie sur les ruines d'une cité elfique. Au fil des siècles, la capitale des rois de Temeria s'est étendue et englobe aujourd'hui trois grands quartiers, un port et des faubourgs en pleine expansion. Dans le quartier du temple,
Votre attention sera attirée par le cloître monumental de l'Ordre de la Rose Ardente. Vous ne pourrez pas non plus rater l'hôpital Lebioda, célèbre pour ses miracles lorsque vous visiterez ses merveilles. Évitez le quartier des non-humains qui est devenu celui des pauvres et des bannis de la société. La plupart d'entre eux se sont installés dans la vieille Vizima, qui est aujourd'hui un véritable ghetto inaccessible aux visiteurs. Le quartier des marchands connaît un développement remarquable. C'est là que vivent les riches marchands et que l'on retrouve des représentants des institutions politiques et commerciales du pays, ainsi que la banque et l'hôtel de ville. Quand vous serez dans le quartier marchand de Vizima, n'oubliez pas de visiter son célèbre marché où vous trouverez des marchandises venues du monde entier. Ce livre ajoute une entrée de lieu au journal. Pour le fermer, c'est le petit rond. Voilà. Là, du coup, tu peux faire croix et monter les escaliers. Musique qui fait peur. Bah pourquoi pourquoi il y a une... Une ? Il y a une transition, là. Ah non, parce qu'à chaque fois, on fouille dans les penderies et tout avant de lui parler. Des silex, ouais. Non mais on prend tout, hein. On a dit, on prend tout. On pille. Ah, il a déjà un perroquet. On estompille. Attends, comment ça se fait ? Oh ouais, c'est beau ça ? Non, ça sert à rien. Ah bon ? Ouais. Donc je prends pas ? Non. Croix. Quoi ? Par contre, il y a un problème là. Pourquoi ? Retourne par là. Il est pas censé être là celui-là pour l'instant. Bon, on parle avec le détective. Mais qu'avons-nous là ? Je suis Gérald de Rivet. Votre légende vous a précédé. Je peux vous aider. Vous pouvez vous renseigner. J'ai travaillé pour les avocats Quadringer et Fenn. J'imagine que ça vaut une recommandation. Vous savez qu'un renseignement, ça se paie. Je paierai. Je suis tout oui. Bonsoir, T-Wolf. Ouais, moi aussi, j'aurais déjà abandonné la lecture. Coucou, T-Wolf. Ah bah, c'est des RPG, c'est pour ça que je te fais la lecture. Alors... Parlez-moi de la vie de détective privé d'abord. Parlez-moi de la vie de détective privé. J'espionne sur tous les riches qui trompent leurs femmes. Bah j'aime ça. Vous imaginez pas de quoi les gens sont capables. Je préfère m'abstenir. Il y a pas longtemps, je suivais Vonden qui commande la garde à Foltest. Vous le connaissez ? Non. Je l'ai surpris avec les deux petits pages. Ça suffit comme ça. Je suis tout oui. Les gens avec des écussons de la salamandre. Je m'intéresse aux gens qui portent des écussons de la salamandre. Je sais bien quel truc. Mais j'aimerais savoir bien votre intérêt pour ce dossier. Une affaire en cours. Ah, Hazard Javed, ça vous dit quelque chose. Hazard Javed, ça vous dit quelque chose. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Ma botte a rendez-vous avec l'arrière-train de Javed. Je fais payer des renseignements d'habitude. Javed. Ça fait un bail que je m'échine sur ce dossier. Une affaire personnelle ou une mission ? Je vais vous faire confiance. J'avais. Un couple vivait de la Vizima avec leur gamin de 10 ans. Un jour, le père rentre chez lui, il n'y a ni son chien, ni le dîner, ni le rire de son fils pour l'accueillir. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce qu'il trouve son clébard mort, un trait d'arbalète dans le museau. Ensuite, il trouve sa femme épinglée sur la porte de la cuisine par une lance. Il cherche son fils en vain. Les coupables n'ont pas laissé de traces. Vincent Miles a déclassé l'affaire. Aucun témoin, aucune preuve. Sauf que 6 mois plus tard, on retrouve le corps d'un monstre à la décharge. Les yeux comme des plaies suppurantes, la peau épaisse et blanche. Tout le monde avait oublié le meurtre à l'enlèvement. Enfin, presque. Presque tout le monde. Le gamin qui avait disparu avait un sixième orteil. Et le cadavre du monstre aussi. Le père a consacré sa vie à retrouver les meurtriers. Espérons qu'il y arrivera. C'est tout ce que j'ai pu apprendre. Hazard Javed dirige la salamandre. Il est plus dangereux que Foot de Kikimor, mais il est intouchable. J'ai eu un avant-goût de ses capacités. Rien d'autre. Ils ont monté une opération de grande envergure pour mener des expériences génétiques. Un voyou classique n'en aurait ni la connaissance, ni les moyens. Qui travaille pour Javed ? Le capitaine de la garde qui a lâché l'enquête disparaît à la nuit. Vous pourrez peut-être lui arracher quelques renseignements. C'est tout ? Les gardes avaient arrêté un type qui en savait long. Des gardes dans des cachots ? Oui ! Allez interroger le prisonnier et essayez de tirer les verres des gardes. Comptez sur moi.
Les informations sont cruciales. Vous savez autre chose? Vous savez autre chose sur le prisonnier de la Salamandre? C'est peut-être un des chefs. Mais on ne saura fixer que lorsque vous l'aurez interrogé. On verra. Juste une chose. Je crois que quelqu'un vous suit. Comment m'en débarrasser? Attendez ici un moment. Rendez-les un peu. Surprenez ce qui va vous surprendre. Je partirai à minuit. C'est tombé, il est minuit. Ah, il est minuit. Mm-hmm. Ah, mais attends, il y a peut-être une... Ouais. Et bon. Laisse-le. Il a dû trouver une autre issue. Aucune importance. Sans doute. Mais le piège est prêt. Certes, vous avez à faire partir les marchands. Je confie cet étage à notre meilleur équipement. Il y a une sacrée voix, hein. Je confie cet étage. Oh merde! Oh putain! Ah! Trois fois. C'est bon? Encore? Ouais. Putain, merde! Je vais me faire baiser. Puis encore une fois sur A. Ah, non, attaque. Putain! Rapide. Voilà. Mais t'as cru quoi, toi, Gadjo? Ah ouais, tu trouves que Marlowe, il a à peu près la même voix que Tony Stark? Non, il y a encore un assassin, là. Où? Là. Ah, là-bas? Ouais. Il y a ici, gros con. Encore une fois sur le A. Voilà. Voilà, plus qu'à récupérer les restes. L'exécution de la salamande, tu vas pouvoir les revendre. Ouais, c'est pas grave. Il y a le déguisant de poulet. Qui nous permet d'aller mieux. Salut prof Pi. Coucou prof Pi. Donc ça c'est le glaive. Ouais, il y a encore le reste au niveau de la porte. Hein. Tu l'as? Ouais. Ah bien. Et en principe, il y en a encore un là. Non, c'est... Je l'avais déjà pris. Donc on est bon. Donc du coup là maintenant faut aller à la prison. Qui se trouve où? Alors, continue toi, ensuite tu prends là à côté. Là. Tu peux prendre là sur le côté au niveau du jardin. Tu longes. Hop, ici sur le côté. Et juste là, bord du donjon. Ouais, il est sympa. Et là, du coup, il faut parler avec Joseph. Joseph, le geôlier. J'ai des questions. J'ai des questions. Posez-les. Que savez-vous sur le prisonnier de la salamandre? Et pourquoi je pourrais faire? Le capitaine me tuerait. Je peux être très convaincant. De la poudre, ça aiderait. Alors, on fait cadeau. En principe, je... Oui. Il va se droguer, lui. Ouais. Finis le fistec. On va te fistec, mon gars. Je récupère et tu glisses. Ah oui. Là. Ouais. Je ne refuse jamais du bon fistec. Parlez-moi du prisonnier de la salamandre. Connard. Je ne sais pas grand-chose. Où est-il? Et l'on est à l'hôpital. Merci. Vous devriez arrêter. C'est une vilaine. Le beefsteak. Peut-être, mais pas aujourd'hui.
préfère aussi. Écoutez, Palmade, vous devriez arrêter. Là, ça sert à rien parce que du coup. Bon, à plus tard. À plus tard. Oh con. Je vais où? Alors, tu as parlé aux prisonniers détenus à l'hôpital, donc tu ressors de là. Tu reprends dans le jardin. Hello Louis. Salut Louis Maker Japonaise. Oui, vite laver les cheveux. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Et c'est la porte là. Bien, ça va très bien. Je ne sais pas à qui tu parles, si tu parles à moi ou à Solène. Ça va aussi. Oh, les malades, ils n'ont pas grand chose à leur parler, ils vont tous crever de toute façon. Faut chercher un peu des deux côtés. Prisonnier, voilà. Eh bien, écoute, ça va. En mode tranquillos le dimanche. Une soudoilée avec des trucs. Donc faut que je le soudoie avec des thunes. Ouais. Comment je fais? Bah, tu te rapproches de nouveau. Ouais. Ah oui, je lui donne un. D'accord. Merci au Camilabs pour le Prime. Comment vas-tu au Camilabs? Ah bah oui, j'avais pas vu. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Ne vous approchez pas, prisonnier. Je veux vous poser quelques questions. Il a envie de chier, hein, je crois, le prisonnier. Non, il essaie de faire caca. Le prisonnier s'est évanoui. Restez pas là. Il y a des lumières dans le couloir. Sale bandit. C'est pour gagner les envoyés. Alors là, A. Encore une fois. Et maintenant. On va buter le mec. Ça chie, hein. Ça dégage. Oh là là, hé hey, oh! Vas-y, t'es en attaque de groupe. Merde! Ah, il a arrêté! Enfin. Ouais, plus qu'à récupérer tout le reste. J'ai failli buter mes amis. Je viens de le faire. Hop. Les restes. Non, y a rien. Regarde le corps qui est juste là, le petit là. Lui là. Ouais. Ouais, oh, bien. Et celui qui est à côté là. En principe, on a tout. Donc là, du coup, moi, le prisonnier, il nous a rien dit, quoi, du coup. On y retourne ? Ok, non, il dit plus rien. En tout cas, tu sais que c'est Kalkstein. Retourne. J'ai envie de péter ! Attends. 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 Attends, c'était quoi ? C'est... Pola coucou et pas les macarena. Nananananananana, gozon buena. Pola coucou et pas les macarena. Ah, macarena. Voilà. C'était juste pour cette connerie. Tu peux aller à l'hôtel de Minitel et tu. Ils ont déjà des Minitel. Putain. C'est des petits fruits. Donc ceux-là. Ouais, peu importe. Ah là, un Sephiradode. Je refais. Sephiradbina. Nickel, vas-y, retente. On va voir ce que ça te donne ce coup-ci. Une petite poire. Et du gui, ok, ça te donnera plus que du gui. Du gui. Ah, tu peux chercher dans les mâles. Du gui Pierrot. Mm-hmm. Merde, à chaque fois ça me donne la gerbe, moi, quand il fait ça, là. Il y avait une penderie en sortant de la pièce, tout de suite à droite. Ouais. Penderie. Cool. Commode. La poudre noire.
Oh putain. Bah. Mais non, y a plus rien. Là. Non. Ils sont beaux leurs hôpitaux, hein, les gars. Ouais, du Guy Pierce. Mmh. Guy Ball. Ah. J'ai cru qu'il y avait un mec qui m'attaquait, non. Putain. Va de nouveau là où on était avant au niveau alors... de la taverne. Il y a une prostituée, faut lui parler. C'est là-bas ? Non. C'est pas du tout là-bas. Hein. Très éclairé, ouais. Non, de l'autre côté, hop, tu descends les escaliers. Putain, j'arrive pas à me repérer. Hein. Ah, ça y est, ouais. Okay. Et là, t'as la porte là. Tu peux y aller. Juste là ? C'est là la taverne ? Non, 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 là c'est le bordel. Ah oui, non. Ah bah. Guy Montagnier. Voilà, faut parler avec Carmen. Carmen San Diego. Oh putain, vous avez des jolis nibards. Que diriez-vous de vous détendre un peu, bel et talent ? Bah oui, je veux bien. Ça dépend. Je suis ouverte à toute proposition. Discutons. Oh, la voix est connue. Très bien, discutons. Mais j'espère mieux. Étonnez-moi. L'amour est une boire douce et gaillée. Décrivez-moi la forme d'une boire. Comme vos putains de seins. Montrez-moi plutôt. Oui, montrez-moi plutôt. Pas si vite. Nous connaissons à peine. Ah, c'est, putain, cette voix, les gars. On dirait la voix de la nana qui doublait Gabriel Solis. Avec Desperate Swives. Oui. Ah, mais oui, c'est... oui, bah oui, qui est décédée il y a 2-3 ans, là. Oui. Oui, oui. Ah, comment s'appelle-t-elle ? Oh, merde, je connais qu'elle. Ah, merde. J'ai des pertes de mémoire, les gars. Oui, oui, du tout. Oui, oui, c'est la doubleuse de Eva Longoria. Odile Schmidt. Odile Schmidt. Merci, Prof Pi. Merci, Prof Pi. Auriez-vous du travail ? Ouais, vas-y, pose des questions. Auriez-vous du travail pour un sorceleur ? Des hommes apportent une vie. Occupez-vous d'eux et vous serez récompensé. Très généreusement. Vous trouverez chez un homme. Je connais trois endroits qui fréquentent la nuit. Je t'en prends sur ma carte. Voilà. Et du coup, là, il n'y a plus qu'à aller aux endroits qui sont sur la carte et aider les. Alors, c'est où ? Alors, tac, et là, tu prends la carte. Carte ? Ouais. Et c'est partout où tu vois les petits points rouges, tu vois, ici. Oh la vache, il y en a plein, et... Non, il y en a que 4, ça se fait vite. Je suis où, moi ? C'est là. La bon, bah, il faut que je fasse le tour comme ça. Prends l'indicateur, là. Ça ? Ouais, clique dessus. Voilà. Bah, comment je fais pour... Attends. Va voir sur l'autre, là. Ah, non, c'est ça. Ouais, il faut aller voir une fillette en danger, ouais. Donc, il y en a 3, des filles. Par ici, faut remonter les escaliers. Putain, ils sont où les escaliers, bordel ? Yeah. Ah oui. Oh. Qu'est-ce qu'elle a, la vieille ? Elle est en train de mourir. Je perds mon temps. Hop, derrière. Ah, tu passes par là. Le petit chemin ensuite à gauche, à droite, pardon. Ah oui, d'accord. Ah, y a plus qu'à buter les mecs en face. T'es sourd ? Silence. Dégage de là. Laissez ça en paix. T'as des vapeurs pour une pute. Avant de partir. T'as des vapeurs pour une pute. T'as des vapeurs pour une pute. Avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir les gens. Dites-lui que vous êtes un criminel. Il s'en va. Dégage de là. J'ai jamais fait un truc sans défense. C'était votre dernière chance. Chope-le. Oh. Oh putain, il est à sec. Oh putain. Ok, il a récupéré le reste. Y'a que lui ? Ouais, il y a que celui derrière.
Oui, il est mort aussi. Alors, tu l'as eu dans le cul ? C'est qui la petite pute maintenant ? La trompeur. Oui, merde. Non. Tu ne l'emporteras pas au paradis des putes. Là, du coup, tu peux le mettre de nouveau au niveau de la carte pour voir où est-ce qu'il faut aller. Ah, la carte, c'est là-bas. Il faut aller là. Fille est en danger. Alors, tu continues tout droit là dans le couloir. Enfin, dans le couloir. Et puis, tu tournes. Ouais. Donc là-bas. Ouais, juste là en face. Moi je les bute tout de suite, hein. J'ai des affaires à régler. Dégage tes gorges comme un chien. Essayez pour voir. À travers l'œil. Oh. Merde. Je l'ai fait trop tôt, merde. Mais tu vois, on en a plein que dans tous les sens du terme, exactement lui. Viens ici, gros con. Hello Erasmus, sors-le. Salut Erasmus. Si tu veux le buter plus vite, appuie encore une fois sur un. Ah. Ah, quand même. Pas dommage, hein, ça. Une pastèque. Une pastécasse. Les smuitas, les bananas. Bah, il est où, là, ce con-là? C'est déjà désintégré ce con-là. Ouais, ouais, ouais. Alors ensuite, non, tu continues tout droit là. Et puis tu prends à droite. Et là, elle est la dernière. Ah ouais, elle est là. Prostituée. Alors, ça va dégager, mon pote. Pourquoi tant d'abeilles ? La dame est alors tu vas. Alors, merde, deux fois. Combat de gros. C'est bon ? Merde. Mais il veut pas. Allez. Encore une fois. Voilà. Ok. Ah. Je vais bouffer des restes, mon gars. Vous êtes tous bien niqués. Yes. Et il n'y a plus qu'à aller revoir Carmen. Oh oui, on va aller revoir Carmen. Et on va se faire sucer la bite. Certainement, oui. Elle est où, Carmen? Alors là, tu prends de nouveau à droite. Gauche, droite. Droite. Gauche, descendre les escaliers. Ah ouais, descendre les escaliers. Et la porte. Et c'est la porte du bordel. Qui s'appelle les cuisses brûlantes. Les cuisses bien brûlantes. Hello, j'ai pas eu le temps de voir le... pas eu le temps de voir le... Ah mince. Le pseudo. Carmen. Carmen San Diego. Merci pour votre aide. Il nous laisse en paix à présent. Vous êtes un vous. Non, des villageois jouent sur nous. Mais ils n'arrivent pas à m'arrêter ces monstres. Je vois. Que préférez-vous? J'ai 200 euros. À moins que vous n'y être payé autrement. Ah bah, je ne suis pas très matérialiste, hein. Moi, je veux la bouffe, je veux lui bouffer les seins, moi. Je ne suis pas matérialiste. Du cul. Une bonne action doit toujours être récompensée. Je ferai savoir en ville à toutes les filles quelle héros vous êtes. Nous autres catins savons exprimer notre gratitude. Ça tombe bien. Vous êtes unique, mais il y a pas mal d'imposteurs qui voudraient... C'est moi qui te nique. Disons que, pour lever le doute, vous apporterez des fleurs aux filles. Et c'est ainsi qu'elles me reconnaîtront. Sans aucun risque d'erreur. Je n'ai jamais vu un vieux apporter des fleurs à un putain. C'est pas faux. Merde.
Je peux pas. Du coup. Je peux pas la baiser. Alors, demande déjà s'il y a beaucoup de filles comme elle. Il y a beaucoup de filles comme vous. Mais du coup, t'as pas forcément besoin de payer pour se taper une pute, du coup. Ah ouais. T'as juste besoin d'avoir beaucoup de fleurs. Bon bah ouais. Je me repose ou. C'est toi qui vois. Bah je sais pas, il faut. Ou pas. Bah si tu te reposes, mieux vaut méditer jusqu'à midi, comme ça tu récupères les 200 balles de l'autre. Pour retourner ouais, au fantôme. Je vais méditer jusqu'à. Oh, un talent argent, c'est trop bien. Alors, c'est là ? Surtout pas pour l'instant. Regarde déjà dextérité. Qu'est-ce que me propose là ? Passe juste dessus. Attaque 10, esquive 10, parade 5. Résistance à l'aveuglement et à l'incinération. Ok. Endurance, ça dit quoi ? Résistance au poison, à la douleur, à l'étourdissement. Et intelligence. Attends, c'était de base des signes. Ouais. Peut-être plus l'endurance, ce sera plus utile là, pour l'argent. Tu prends ? Ouais. Et là, du coup, pour les talents de bronze, tu peux regarder dans les autres styles. Là, par exemple, tu vois, tu peux mettre les trois là. Voilà. Ouais, comme tu veux. Moi, tu fais du dégât, tu vois. Celui-là est déjà pris, c'est le dernier. Voilà. Du coup, méditer jusqu'à midi. Hop. J'ai planté mon pistil. J'ai planté mon gros pistil, mon gros glaive. Mais j'ai des. J'ai un bouquet de tulipes dans le. Dans le cul. J'ai un bouquet de tulipes dans le cul. Dans le coffre, chez le tavernier. Bon, allez, je me barre. Tu peux pas sortir par là. On peut pas sortir par là. C'est la porte là. Sortie. C'est la porte là. Hello, Riddick. Salut, Riddick. Comment. Oh, 51-120 Riddick. J'aurais toujours du mal à les comprendre. Alors, 51-120, c'est où? C'est pas loin. Pas loin d'ici du tout. Oui, oui, au bout, au fond. Elle va essayer de t'entuber, la nana. Bah, elle va m'entuber. Moi, je vais l'intuber. Putain, qu'est-ce que c'est que cette vieille? C'est elle. Oh bah alors. Bacon. Parle-lui. Oh. Moi fort. Ou quelqu'un va nous entendre. Je suis occupé de votre mari. Je suis occupé de votre mari. Vous avez une preuve. Vous n'avez rien demandé d'elle. Je veux mon or. Du calme. Ne craignez pas d'être vu en compagnie d'un sorceleur. Soyez bon, Didi. Prenez du vent et dégagez ici. Ouais. Elle a pas la voix qui colle avec les yeux. Voilà, 200 balles dans la poche. C'est bon, 200 balles dans la poche. Allez, c'est toi qui reprends. Moi, j'ai fait pas mal de trucs là aujourd'hui. Je suis assez content. J'ai buté un fantôme. J'ai sauvé des putes. Je veux dire, je peux pas faire mieux que ça. Puis j'ai faim. Alors déjà, je vais revendre quelques trucs qu'on a dans le... Ah, tu connais Benjamin Marquis de Lépine ? Riddick ? Est-ce que tu as écrit tes chroniques ? Les chroniques de Riddick, bien sûr, oui. Je fais des efforts. J'essaie de m'améliorer. Ouais, j'ai sauvé trois putes. Ça va ? Hello, Rico ! Salut, Rico ! Comment qu'il va ? Gérard, salutations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont caché une fenêtre et tiré trois carreaux d'arbalète dans le mine de Colmar.
Oh my dieu! Il est mal foutu lui! Regarde ça! C'est un arc. Ah oui, c'est pour ça! Ah bah, Riddick, à mon avis, on est. T'es vraiment pas loin là! Attends, je vais taper, je vais essayer de taper. Je vais juste voir sur l'autre ordi. Je vais taper 51-120 pour voir où c'est. Du fistec à des gosses. Ça m'étonne qu'ils aient agi en plein centre. Ils se sentent forts depuis qu'ils ont les armes. Un taré est accepté de traiter avec eux. À mon avis, c'est Aaron Brock. Quelle époque pourrie. Cette fragmentation. Elle pénètre dans l'estomac, puis éclate en trois morceaux afin de lacérer les organes internes. La spécialité des avocats. Ah ouais, c'est vers Charleville. Explose à la surface de l'armure la plus légère. Elle tue cru. Pas loin de Charleville. Bon, il y a quand même quelques. Bon, il y a quand même. Il y a quand même de la route. On va pas se mentir. Je dois aider. Mais c'est pas si loin que ça. J'avais décidé de laisser les armes aux écureuils. Man est mort. Eh, bite, Meliria, bite. Comment ça va? Hello, Meliria. Ouais, Charleville-Mézières. Ouais. Oh. Eh, faut que j'aille chercher à bouffer. C'est quoi? Ouais, je veux bien aussi. Si. Tu veux quoi? Peu importe. Chips. Peut-être plus du sucré que du salé. Ah toi c'est du sucré. Ouais. J'ai un peu de mal avec le salé. Ouais. Bon, on va revendre des trucs là. Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a qui sert à rien là? La salpêtre. Pas grand chose pour l'instant. Ouais, je peux revendre ça. La femme qui. Elle peut couper bien du saucisson. Tiens. Merci. Alors, la serveuse. Ça y est? On est décidé. Une tisane au CBD. Ah bah tiens, Méliria, j'en ai aussi une tisane au CBD. Fraise CBD. La tisanière, c'est le chambrier suite. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Je vais même garder des bières, des fois que. Je remets le maracam aussi. Parce que je sens bien qu'il y en a qui vont nous demander de se biturer la gueule avec eux. C'est moi, oui, il fait froid là. J'ai froid. Pas possible. Non, ça va pas trop leur filer. Allez, on va faire un petit peu de pugilat. Salut, salut, ah, mais j'adore ce jeu. Alors, battons-nous. Battez-vous. Tiens, je lui ai demandé 50 balles, on va voir s'il accepte. Tu vas devoir plus se streamer l'après-midi, faut remplacer Jamy. Ouais, mais j'ai du boulot. Ça ferait un bon combat. Bah. Prêt? Ouais. Que la fête commence. Ah oui, Meliria, c'est Meliria qui va remplacer Jamy. Vu qu'elle a un peu de convalescence. C'est fini. On va récupérer des fleurs, parce qu'on va se taper une cuite, y'a pas de problème. Pas mal. Y'a pas de honte à perdre votre loulou. Mec, j'ai dû te péter une côte. Plusieurs. Tu veux prendre ta raquette, Jamy? Fais voir ton argent. Fais voir ton argent. Tu
Je vais te botter le cul et ça va m'apporter du pognon. On verra. Pourquoi tu paries pas plus vu qu'à chaque fois tu les butes? Parce qu'ils acceptent pas les combats, c'est vrai. Ah. Il y en a que certains à qui tu peux demander plus. On va tous finir zen, mais j'ai du mal moi avec cette histoire de CBD, moi j'ai jamais... Ça dépend, t'as un coup de stress, un petit coup de CBD, ça va mieux. Ah moi ça me stresse encore plus moi. On fout les boules. Tu veux prendre? Ouais, si maintenant lui je lui demande 25 par exemple. Il va pas vouloir. Il va m'envoyer chier. Ah ouais? Tu veux prendre ta... Donc je peux que mettre le double de la scène. Je vais te botter le cul et ça va m'apporter du pognon. On verra. Non mais même en tisane. Allez, viens prendre ta raclée, gros con, le pugiliste. Ah bah voilà, bah ça a bien duré longtemps, gros tas de merde. Lui, on peut pas se battre avec. Bah lui, il est beurré. Mais celui-là, j'ai déjà... Plagadave. Plagelet. Il s'appelle Plagelet ? Ouais. Et je l'ai défoncé pour 200 balles. Ça va. On s'en sort. Du coup... Allez, on va se taper une pute. Ah, c'est ce qu'on préfère dans ce jeu. Se taper les putes. T'as vu ou pas ? Non, du coup, Carmen, non ? Je veux pas, Carmen. C'est lui qui va conduire. Quoi, ton fils ? Il n'est pas un peu jeune ? Ton fils de 1 an, qui va conduire ? Tu fous de ma gueule ? Hop. Bouquet de tulipes. Je ne sais pas ce que fait une princesse quand son prince vient la libérer dans sa tour. Mais je te garantis du remerciement que tu n'es pas prêt de m'oublier. Mais c'est la fille de Carmen. C'est que tu tiennes cette promesse. Pas mal. Ouais. Un peu l'air d'une conne, mais bon. Non, mais tu n'avais pas montré l'autre. Attends. Avec son poulet mort. Là. Ah ouais, d'accord. Avec son poulet mort, quoi, l'autre. Belle poire, belle Hélène. Oh putain. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux jouer au dé avec Carmen. Oui. Par contre, elle est douée, Carmen. Ravi de vous voir. Bah elle est douée, en même temps c'est un jeu de hasard. Alors on a une paire de 4, c'est pas énorme. Et là... C'est baladure, oh bah oui c'est baladure. Elle a bipé les dés, c'est clair. T'as une paire mais pas de 4. Oh, ça c'est beau ça. Un carré de 6. Ça a pris un coup de vieux par rapport à Witcher 3. Ouais, ouais. Bah en même temps, Riddick, le Witcher 1 date de 2007. Mais on va avoir le remake qui va utiliser le même graphisme que le Witcher 3 d'ici 2 ans.
Ça fait 16 ans. Et on a une quinte. Ça fait 16 ans. Ah ouais, j'ai une quinte de tout. Maintenant, un peu de chance, s'il vous plaît. Maladure, maladure. Elle a une paire de 1, ok. J'ai deux paires. On va tenter un truc. Je prends des risques. Ouais, ils vont le faire, le remake du 1, dans 2 ans, c'est ça? Ouais. D'ici 2 ans. La 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 la. Ah bah tu l'as niqué. Ouais. Enfin, tu l'as niqué, c'est une métaphore. Ah non, mais de toute manière, ils vont prendre le moteur qu'ils ont utilisé pour le Witcher 3, mais pour la mise à jour 4.0. Mmh. Ouais, tu penses. Tu vois, c'est elle qu'on s'est tapé. Tu veux le grand siège, au fait ? Je voulais vous savoir. Pourquoi ? Bah, je sais pas, pour ton dos. Oh, la vieille, la gueule ! Oh, la gueule de la vieille derrière ! Dégage ! Il est con ! Oh bah Dieu! Oh, oh, ça rigole pas avec la vieille! Dis donc! Ouh! On a un petit bonhomme! J'ai bien l'impression qu'il y a des vieilles qui ont envie de bite. Pas grand chose là. Non. Qu'est-ce qu'on est censé faire là du coup? Quête. On va chercher des pistes de mon côté. Ah, il fallait que je parle avec Kalkstein. Les habitants du Marais. Boucani ont pris l'hôpital d'assaut. Je dois parler à Raymond. Raymond Bure. Nouveau moteur Unreal Engine 5. Le studio passe dessus pour toutes ses nouvelles créations. Elles pensent à la retraite, elles veulent un petit jeune, les vieilles. Ouais, ouais. J'ai Kalkstein. Parler à Boucanier. Ça va, ma doule. Bon, elle dort profondément là. Bon. Shani, elle doit être à l'hosto. Finalement, je l'ai laissé monter sur le nouveau canapé. Eh oui, j'ai fait la connerie. Le problème, tu vois, c'est qu'il ne faut pas céder avec un chien. Ouais, mais bon, même si elle t'emmerde. Faut mais, pas céder. Oui, mais elle là, m'a regarde. Elle a pêché toute l'après-midi pour gratter à la fenêtre, sortir. Ouais, et mais... je lui ai dit non. Et au final, elle est partie se coucher. Ouais, mais là, regarde, elle est bien. Elle est bien sur ce canapé-là. Elle l'aime bien. Elle dort bien. Gérald, tu as réussi à sortir de prison ? Pas sans mal. J'ai entendu parler des exploits. Je vois que tu travailles pour l'hôpital. Je lutte contre la peste. Je n'ai pas le temps de bavarder. Quand pourrions-nous discuter? J'ai une chambre dans le nord de la cité. Viens faire les heures de travail. D'accord. Fais vite, je dois reprendre le travail. Il y aurait bien autre chose. Il faut que je te parle. Ça peut attendre? Eh bien... J'ai la bite dure, là. Où es-tu installé? Je loue une chambre dans le nord-est de Vézima. Je trouverai facilement. En face de la maison, il y a une petite place avec une sculpture de serpent. Fais vite, je dois reprendre le travail. Je peux me rendre utile. Tes talents ne servent à rien ici. Eh bien, merci. Nous n'avons pas de traitement contre la peste, mais... Tu connais les rustiques? Ça ne me dit rien. Avant que la peste l'emporte, il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie. Il te faut ces plantes. Oui, la plus efficace est la clé des douanes. Malheureusement, on ne la trouve qu'en terrain marécageux. Ah, tu es le potentiel tueur au chien de la victime. Ah, d'accord. Rapporte ça au moins 5 pouces. Là, on en a déjà. Voici la clé des douanes. Formidable. Tu as toute ma reconnaissance. Je préfère entrer l'enculé. Je connais bien les Neptunes. Je demande tous les jours à toi.
fait. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'on n'a pas une infirmière dehors là? Non, pas encore. Il y a un jardinier. Ouais, ouais, un jardinier, j'ai déjà parlé. Vincent. Parler avec Vincent. Ça y est, les gars, on arrive, on est au mois de mars et. Moi, j'aimais bien quand il faisait nuit tôt. Hein. Là, le mois dernier, on était, il faisait nuit déjà. Et on jouait à ça aussi. Hein. Je préférais, moi. Ça faisait plus genre petite soirée. Là, on va revenir. On va déjà revenir en été. J'ai l'impression que l'été, il est pas. Enfin, il vient de s'arrêter, quoi. Parce que tout part en couille. Ouais, sinon, mais c'est chiant. Moi j'aime bien l'hiver, mais quand l'hiver est. C'est un vrai hiver quoi. Enfin, là il a fait. Même quand il faisait froid, il faisait beau quoi. Bon là il fait un peu gris, mais ça fait du bien quoi. Un peu de temps en temps qu'il pleuve. En plus il a pas plu des masses hein, je trouve. Non. J'espère qu'il va pleuvoir là pendant le printemps quoi. Parce que. Il vous faut quelque chose. Je ne suis pas tout à fait humain. Vous avez peut-être quelque chose que je cherche. Malmsteen, il n'y a pas meilleur vengeance que moi à visiter. Ta gueule, Capitaine Haddock. Oh là là, et puis sa barbe. Ah ouais, mais les boucles de barbe là-dedans, c'était le bleu. Votre équipement. Il me l'a confisqué. Il a des sursauts de la barbe. Pire, des officiels. Ouais, excusez-moi. La barbe prend vie. Je suis un foutu nain. Ce type lié à l'ordre a récemment acheté des nouvelles emblèmes de Mahakam qui ressemblent trop le monde mien. De Takam ? Zoltan dit du bien de vous. Faisons affaire. Zoltan, adressez-vous à mon apprenti. Je m'occupe de la forge et des commandes spéciales. Ok, bon. C'est que dalle. Salut, Tachach. Ouais, complètement bourré. Oui, je m'occupe du magasin. Je fais un peu de nettoyage. Qu'est-ce que tu fais, Tachach? Montrez-moi vos marchandises. Monsieur Chéri dit que tu es quelqu'un de bien. Alors je vois plus en temps de faire. Bah, lui aussi. Voilà. Ils ont tous la même gueule. Hein. C'est des nains. Là, tu peux pas y dire bon, je vous laisse, j'y vais. Mmh. 5000 balles, putain, c'est fou. Alors qu'on garde pour tout à l'heure. Bon, plus tard, parce que. Va falloir qu'on ça aurait été pas mal. Oui, va nous falloir une meilleure armure, hein, mais 5000 balles pour l'instant, on en a 2000. Ah ouais, non, on n'est pas très bien loti, quoi. Oh, la barbe, ce nain. Oui, 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 c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Non. J'allais parler avec Kalkstein. Kalkstein ? Monsieur Tête de Singe. A plus Rico. La bonne Bye. Journée à toi. Prof Pi qui clip les barbes. Avoue, t'aimerais bien en avoir une comme ça quand même. Là regarde quel chien. La tronche qu'il a. J'ai perdu le fil de mes pensées. Qu'est-ce qu'il y a ? Là ? Un petit peu mal, je vois. Mais il est quelle heure, là ? Ah ! Oh, ma mamie, elle m'a dit merci. N'oubliez pas, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui. Si vous en avez encore, profitez-en. Putain, mais moi, j'ai parlé un peu de la salamandre. Je crois que vous êtes deux. Ah oui, je vais avec la salamandre. Aïe ! Ah putain, tu me le fous dans la gueule ! Quoi, j'aimerais bien les découvrir.
Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche des putes. Certains indices mettent en évidence votre relation avec la salamandre. Des indices ? Le blessé de la salamandre a prononcé votre nom. Bien sûr, puisqu'il a travaillé pour moi. Dans quel but ? Pour m'aider dans mes expériences. Pour quelle pute ? J'ignorais qu'il s'était adoquiné avec une organisation clandestine. Il devait distiller la cinquième essence et épouster la pierre philosophale, c'est ça ? Il devait notamment me protéger contre la salamandre. Il a risqué sa vie pour moi. Oh, Vanier. Je crois. Je vais être comme ça. Aïe. Ah non, c'est pas encore assez. Je me fiche des bobos. Pas de temps à perdre. Un bisou magique. En plus, c'est sur celui-là. Vous m'avez offensé. Oh. Oh, il s'offense pour un rien, lui, hein. Estime-toi heureux qu'on ne t'ait pas enculé. On l'est pas tué. Alors, Kelkstein, du coup, c'est fait. Boucanier, il va falloir qu'on lui parle. Ensuite, il va falloir qu'on reparle avec le... Ah, Raymond. Raymond Barre. Raymond Marlow. Oh, on fait du boucan la tête. Bah oui, tu t'étires beaucoup, toi. Et dodo. Oh, le porteur Boris Wynn, non. Raymond Barbe. Boucanier, je crois qu'il est encore à la taverne. Moi, j'adore regarder ce genre de jeu. J'espère que ça vous plaît. Oh, Brigitte. Brigitte Fosset. Le cordier. Ah oui. Vous avez tous les mêmes voix, les gamins. Oh, vous êtes bizarre. Oh, vous êtes bizarre. Ils vont arrêter de se foutre de ma gueule. Ou je les bute. J'avais un peu plus d'argent. Alors. On fait tout, tout. Est-ce que Boucanier est là ? Oui, le boucanier, bah oui, le boucanier, le boucanier. Qu'est-ce que tu veux ? L'emblème de la salamandre. Vous connaissez souvent. Ouais. Vous feriez bien de tout dire. Le nom d'Azaza vous éveillez. Oui, c'est un mot. Avant de trancher la gorge de quelqu'un, je lui donne un dernier conseil. Ne me menace jamais. N'oublie pas que c'est ça. Je veux dire, dans la vie, tout est une question d'image, tu vois. Pourquoi il a changé de poids, là ? Je vais parler dans la salamandre. Vite, alors. Dès qu'il s'agit de la salamandre, vos hommes deviennent mégas comme moi. Ils aiment pas la salamandre. Et moi, je suis une prêtresse de Minitel. Et moi, je suis une prêtresse de Minitel. Tu dois être très brave ou très stupide pour m'accuser. Aucun des deux. Tu ne t'es pas demandé pourquoi mes gars sont si nerveux. Déguerpis. Pourquoi avez-vous contacté Bernard ? En quoi ça te regarde ? C'était mon frère. J'ai l'air d'une pute, à ton avis ? Oui. D'accord. Tire-toi. Vos hommes ont attaqué à l'hôpital. Tu délires. Je les envoie récupérer un des nôtres. Pourquoi ne suis-je pas convaincu ? Rien à foutre que tu ne crois ou pas. Dans ce cas, c'est un malentendu. Désolé pour vos gars. La vie est une pute. Et puis on meurt. Maintenant, dégage. Je crois que j'ai enfin compris. Il n'y a pas l'air commode quand même. Oh, tout est une question d'image. Bah moi je te dis qu'il renvoie une image pas très sympathique. Un coup de mida ou deux coups de glaive, il est mort. Tranquille.
Alors. Tu vois, c'est comme les petits chiens, sa gueule, mais. Que dalle. Ça fait du bruit, c'est tout. Alors, on parlait à Raymond, Marle. Non. Tu vois encore? Oh. Je suis tout oui, non. J'ai vu le prisonnier. Il a été aux anges. Il n'a pas eu tort. Les hommes de Boucanier ont attaqué. Vraiment. Bizarre. Boucanier a tout intérêt à faire disparaître la salamandre, à moins que j'ignore quelque chose. J'avais peut-être effrayé ou corrompu. À vérifier. Vous avez pu tirer quelque chose du prisonnier? Le prisonnier n'a prononcé qu'un mot. Calsten. C'est logique. On a peut-être découvert un verre associé de jeune bête. C'est vrai, il se grattait les fesses. Je l'ai rencontré. Il n'a rien de criminel. Il faut suivre toutes les pistes. Au travail. Je vais en parler avec contact. Gardez un œil sur Calsten. Gagnez sa confiance qui vous confie ses secrets. Quelle est la prochaine étape de l'enquête? C'est comme aller à la pêche. Faut de la patience. Ah, c'est possible qu'il y ait un écho. Gardez la confiance de Calsten. Le mieux serait qu'il... Parce qu'on n'a pas le... On n'est pas au casque. Parlez aussi à Boucanier. Mais attention, il n'aime pas qu'on le chatouille. Ok. Et est-ce que là, ça fait un écho? Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça. Tu t'amuses avec ton joujou. Je m'amuse. Ah putain, j'en peux plus. De quoi dehors? Oh non, je suis naze. Je ne sais pas, là, ça fait 2-3 jours, je suis naze. Ah oui, qu'il l'aime sur Wismode. Non, pas longue. Au sujet de la tour. Oui. Où trouverai-je des renseignements sur cette tour? Dans les livres. Car il retrace ma mémoire avec le plus d'exactitude. Une autre idée. Parlez aux habitants de la. Souvent les histoires populaires ou les légendes, bien que déformées par le temps, se fondent sur la réalité. Très bien, j'y penserai. Oh, désolé, putain. Eh ben. Ça va, y'a pas que moi qui rote. Bah non. Les femmes, ça rote aussi, hein. Alors, déjà lu. Collection et alchimie, déjà lu. Ok. On est bien. Ok. Pour l'instant, on n'a rien de plus. Ah! Non, c'est à cause de ça. 10 éléments, 10 pierres angulaires, tout vient de ces 10 composants. Toi qui cherches, lève les yeux, observe ton passé et tu trouveras. Celui qui connaît ton parcours détient la sagesse et la partagera lorsqu'on le lui demandera. Un autre détient des richesses incalculables, mais son cœur est plein de splendeur. Le tien de cœur ne connaît pas la miséricorde, mais il sait aimer. Autrefois aveugle, tu peux aujourd'hui plonger dans ton esprit, dans ta mémoire, le chemin de l'esclavage au royaume promis est sombre et dangereux. Une 3 fois déesse, vierge mère, vieille femme, 3 visages, 3 grâces. Le discernement, la force, la gloire, à portée à force de sacrifices, de prières. La fondation du monde se trouve dans les abysses, ne te laisse pas vaincre par les feux croisés. À toi de vaincre la mort pour remporter la récompense. La victoire ne peut s'obtenir qu'en combattant ses sentinelles. Le guide des mystères du labyrinthe t'offrira la couronne de la conscience. Au bout de la route, tu trouveras la conscience, tu comprendras. Ce qui est fermé s'ouvrira devant toi. Les 10 noms sont Okma, la sagesse, Bina, le discernement, Ezed, la miséricorde, Tiferet, la splendeur, Djebour, la force, Neza, la victoire, Od, la gloire, Yezod, la fondation du monde, Malkuth, le royaume, et Keter Elion, la couronne. D'accord. Et pour l'instant, on a... On a Od, on a Bina, on a Djebura, on a Malkuth. Eh, hey, t'en as pas mal. Nous en manque 6. Ah oui. Ça va.
Et du coup, les passages secrets, est-ce que c'est... Oui, celui-là, on l'a déjà, ok. Et... Les anciens racontent qu'autrefois, un mage vivait dans les marais. Il restait penché jour et nuit sur ses grimoires et ses fioles. On dit qu'il cherchait la pierre qui pouvait changer le plomb en or et l'eau de source en alcool. En d'autres termes, une pierre qui sublimerait toute matière. Les dieux en prirent ombrage, car dans sa fierté, il voulait acquérir un pouvoir interdit aux mortels, et ainsi, une nuit, une terrible tempête pulvérisa la tour du mage. Il en rebâtit néanmoins une autre, et lança des sorts pour maîtriser les tempêtes. Cette tour demeura jusqu'à ce qu'une autre nuit, la terre se soulève et renverse la tour. Ne se laissant pas désarmer, le mage rebâtit une nouvelle tour et lança des sorts pour maîtriser la terre. Le mage se protégea ainsi de la fureur des cieux et de la terre jusqu'au jour où il disparut. Certains disent qu'il aurait engagé un apprenti avant de connaître un sort funeste, d'autres que c'est une femme qui provoqua sa perte. Une rumeur prétend même que ses propres créations magiques se seraient retournées contre lui. Quoi qu'il en soit, la tour est bien fermée et garde ses secrets. Nul ne sait ce qui attend ses visiteurs à l'intérieur. Voilà. Du coup, maintenant, on peut reparler avec Kalkstein. Parce que oui, je les avais récupérés. Et je les avais pas encore lus. Au sujet de la tour. Au sujet de la tour. Oui. Elle a déjà transformé en pinard, ouais. Racontez-moi vite. Avant que le mage ne construise cette tour, il en avait bâti deux autres qui s'écroulèrent. La troisième lui servait de demeure et de labo. Je le savais déjà. Rien d'autre. Le mage vécut dans la tour jusqu'à sa disparition. Hello, Sam Edine Winchester. Salut, Sam Edine Winchester. Merci pour ton follow. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Les vieux parchemins disent donc vrai. L'un des livres contenait des indices sur les emplacements de ces pierres. Il faut très confortablement. Okma, la pierre de sagesse. Et vous voulez que je trouve les autres? Oui. Près de la tour. Se trouve un chasseur. Oui. Ah non, il en a chié. Posez-les sur les obélisques. On s'en branche. Quelle avance décisive. Je rends le caduc. Les théories de ces pédants hommes fus. Je les briserai. Je les écraserai. Kalkstein du calme. Je suis pas loin, je suis pas très très loin. Je trouve ces fichues pierres et je ne sais pas par où commencer. Les livres restent plutôt obscurs à ce sujet. Désolé. Vous pouvez me montrer ces livres. Je les annoterai pour vous. Tenez. Voilà. Génial. Je vais trouver les 9 autres séphiros et placer sur les obélisques correspondant à la marée. Ok. Mais du coup, il nous a pas donné son séphiro. J'ai pas l'impression. Ah si. Ok, c'est bon. Séphiro. Bah, on nous en manque encore 4 du coup. Il y a le Varden qui en a une. C'est... Ouais, tu le connais par cœur, hein, celui-là. Il y a des trucs que j'ai complètement zappé, hein. Ah ouais. Mais il y a des autres éléments qu'effectivement je connais bien. Bienvenue. Oh là. Oh là là, bien fait de cette personne. Si je l'ai. Salutations, grand-mère. Plus fort, je suis sûr de vrai. Ça ne suffit qu'une femme. Mais ma petite fille, des joues bien roses, de longs cheveux, et des... Ah si, j'avais déjà expliqué. Bah, je l'ai expliqué depuis le début, en fait. Dans les FAQ. Ça, oui. Elle est serveuse à l'auberge. Ça m'inquiète qu'elle rentre seule au village la nuit. Mais... Là, elle fait bien vieille, oui, tu m'étonnes. Bah, et en plus, elles se ressemblent toutes, les vieilles aussi, c'est pareil. Hein. Ils ont tous copulé ensemble, les mecs. Hein. Comment une vieille presque sourde pourrait le savoir ? Bonne soirée, Benjamin le Marquis de l'Épine. Peut-être un Saro Cartoon ce soir. C'est toujours la rengaine. Le diabolos dans le lait. Les loups, les chauves-souris mordent les filles. Vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. J'ai trop parlé. Et ma gorge est un peu sèche.
Je vais vous la remplir d'un liquide blanchâtre pour vous faire passer le goût. Elle sera moins sèche. Plus fort. Oh, merde. Vous n'êtes pas très loquace aujourd'hui. C'est trop parlé. Bon, un coup la vieille, non ? Quoi ? Plus fort. Vous n'êtes pas très loquace. C'est trop parlé. Je boirai bien moi aussi. Quoi ? Plus fort. Vous n'êtes pas très loquace. C'est trop parlé. Je trouve. Ah, faut que je file de quoi. Mais t'es en train de vider tout ton inventaire pour cette vieille pute. Ouais, mais après nous dire un truc intéressant. Quoi ? Vous n'êtes pas très rétro. Rétro. Quoi ? Vous n'êtes pas très rétro. Putain, ta gueule, les connes. Vache. Quoi ? Vous n'êtes pas très rétro. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça qu'elle veut. Bah écoute, elle les boit bien, hein. Je lui donne ça. Ah. Ah, attendez. Qui a donné quoi, là ? Un élixir de sorceleur. Pour qui vous prenez-vous ? Attends, sa petite fille, c'est la serveuse de l'auberge. Putain, je sais pas ce qu'il faut lui filer à boire pour qu'elle tombe, quoi. Au bout d'un moment, qu'elle ouvre sa gueule. C'est rien du tout. Ah, ils ont évacué le cadavre. C'est parfait. Ça y est. Il a pu avoir le fric. Oui. Hop. Bon, elle est où la vieille ? Ah bah, faut la retrouver maintenant. T'inquiète. C'est pas ça. Vieille femme, ça doit être elle. Elle était en haut. Elle était sur le haut. Oui. C'est elle ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ah, c'est elle. Quoi ? Vous n'êtes pas très trop parlé. C'est une blague. Ah, c'est une blague. Vous n'êtes pas très. C'est trop parlé. Si je veux plus parler du tout. Ah, c'est bien de l'alcool qu'il faut. Hein. Vous n'êtes pas très loquace. C'est trop parlé. Fortement alcoolisé. Ça devrait passer quand même. Quoi ? Portez-vous bien. Tant pis. Ah, elle voulait un truc plus fort, c'est ça ? Ah mais là, je suis pas plus fort que ça, quoi. Mais c'est pas possible. Après, est-ce qu'elle dit plus fort parce qu'elle est sourde d'oreille aussi ? Bah, j'en sais rien, j'arrive pas à... Quoi ? Mais c'est pas la même. Mais non, c'est pas le même. Portez-vous bien. Ok. C'est nimp. Mais tu vas me dire que celle-là fait pareil ? Non. Les tout noirs. Quoi ? Eh non, c'est parce qu'elles sont sourdes. Hein. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu vieilliras, toi, oiseau de mauvaise augure. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Comment une vieille ? J'écoute. C'est toujours la même rengaine. Le dieu. Portez. Ok. On va reparler avec Raymond, en fait, hein. Qu'est-ce qui se passe ?
Enfin. De quoi? Je fais mes corrections. Corrections. Merci, je vous dois la vie. Ces salopards m'avaient repéré. Qu'est-ce qui s'est passé? La salamandre. J'étais à deux doigts de résoudre l'affaire. Vous ne risquez plus rien. Ça m'étonnerait. Ils me suivent jour et nuit. Qu'allons-nous faire? Je les mets sur une fausse piste et vous interrogez les nouveaux suspects. Qui? Prenez ces notes. C'est la liste de toutes nos pistes et de nos suspects. Que comptez-vous faire? Ils sont sur mes talons. Il faut que je me fasse oublier. Je vais les attirer ailleurs, mais vous devez finir l'enquête tout seul. Je vous retrouverai le moment venu, loup blanc. D'alors, le Warden. Ok. Cool, les fistakes. N'allez pas en parler aux oreilles. Quoi? Ouais. Attendez, n'oubliez pas mes fonds frais. Et combien je dois? 200 or. Cette enquête commence à me coûter cher. Je souhaite. Merci. Mes informateurs n'ont plus, je fais le moins cher possible. Pour ça, je pourrais. On n'a rien sans rien. Vraiment. C'est oui. A plus tard. See you later. C'est oui. Mais j'aurais pu lui donner 200 balles, pourquoi je peux pas? Il va se barrer après. Alors, oui et non. Bah oui, on les a les 200. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment la voix de Tony Stark. Hein. Qui donc? Ah ouais? Ah non. Attends, fais voir. C'est oui. C'est oui. Cette enquête commence à me coûter cher. Je ne peux pas vivre dans une nourriture fraîche. Mes informateurs n'ont plus, je fais le moins cher possible. Non. Pour ça, je pourrais. On a rien sans rien. Vraiment. Non, non, c'est pas... C'est pas le doubleur. Là. À plus tard. Mais la voix est connue quand même. Faut que j'aille parler avec le Warden, avec Talar. C'est monsieur Marlowe qui m'envoie. Talar, mais je sors de chez lui. Il a de nouvelles informations. Il veut que vous veniez chercher le plus vite possible. Merci. Ça tombe bien. Talar, c'est son prénom. Talar. Talar. Parce que sinon, son nom, ça doit être Bite qui pend. T'as la bite qui pend. T'as vu comme ça a changé, là? Ouais. Et Raymond ne prend pas de fistec. Il ne prend pas de fistec. Donc c'est pas lui. C'est oui. C'est un imposteur. Cette enquête commence à me coûter cher. Je ne peux pas vivre dans une nourriture fraîche. Mes informateurs n'ont plus, je fais le moins cher possible. J'ai vos 200 euros. Après l'attaque, ils ont transféré les prisonniers. Ça, c'est pas bon. Surtout qu'il est mort la nuit dernière. Comment? Il n'était pas en pleine forme. Quelqu'un l'a aidé à sauter le pas. C'est ça. Demandez à Chani d'effectuer l'autopsie. Quand on saura ce qui a causé la mort, vous m'espionnez maintenant. Je connais mon boulot. À plus tard.
Tu vas là-haut? Le médaillon? Ouais. Je veux dire. Quand est-ce que le médaillon il bouge comme ça? Il y a un méchant. Quand ça pue la merde. C'est une aura magique, parce que là il est en détection de magie, il se met à bouger. Ah! Alors seulement quand je le mets en détection de monstre, par exemple. Là, t'es en détection magie, en fait. Ouais. Ah. Bon, déjà, anatomie d'un crime. Aller chercher corps chez Fossoyeur. On parle à Boucanier. Chez Varden. Encore 5 séphiros à trouver. C'est pas mal, là. On avance bien. Je vais plutôt garder des fois cœur. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Enfin! Vous êtes perdu? Qui habite ici? Ça se fait pas de répondre à une question par une autre. Je reformule. Ben voyons. C'est Boucanier qui vit ici et il a pas parlé d'un visiteur mutant. Alors parlez-vous. On va te péter ta gueule. C'est bon, entrez. Ah non, pas besoin. Bon, on va se servir. Sûrement des trucs intéressants. Et il y a même un sous-sol. Parfait. L'hydromel. Sandwich. De la graisse. À voir au sous-sol ce qui se passe. Ah bah, je m'attendais à mieux. Ouais. C'est terrible ce sous-sol là. Pas grand chose. Qu'est-ce que tu veux? Vous voulez la vérité sur la salamandre? J'écoute. Vous travaillez pour hasard. T'as de la chance. Je suis de bonne humeur. Je vais pas te tuer. Mais tire-toi avant que je te fasse virer les pieds devant. Je vous aurai. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Ton cul. Vous voulez la vérité sur la salamandre? J'écoute. Je reviendrai. Ok. Qui entend en double. Visiblement, il y a des gens qui entendent en double. Bah, c'est normal. On a le son sur la télé. Ils entendent, hein, le micro, il prend. Hein. Oh, regarde. Alors, faut qu'on coupe le son. Attends. Sinon, il y a un autre moyen. Baissez un peu. On baisse un peu, vous entendrez moins en double. Alors, à qui je vais parler encore? Il y a Vincent et le Varden. Vincent. Ouais, Vincent le garde. Et alors, vous devriez moins les entendre en double. Tiens donc, tout à l'heure. Alors tu te décides. Tiens donc, qu'est-ce qu'il vend? Livre du Loriot Doré. C'est pas grand chose hein, pour l'instant. Non, normalement, voilà. Normalement, vous devriez moins, un peu moins entendre. En double. Alors, tu es en affaire. Quel est péché, il dit pareil.
Comment as-tu récupéré les affaires de Berengar ? Je suis Rustler. Tu crois que je pose des questions aux voleurs ? La salamandre a les sorceleurs dans le nez. Berengar disparaît. Ouais, ça a l'air d'être. Et ses affaires finissent entre tes mains. Tu me C'est donc ça. Je le connais pas, ton Berengar. C'est parce qu'on est exceptionnellement pas au casque. C'est trop le bordel. Déjà qu'on en a chié. Parce qu'il y a eu une mise à jour OBS qui a foutu la merde. Oh, c'était galère pour que tout fonctionne. C'était galère pour prendre. Bah, pour capturer le jeu. Il y a des gens ici qui préfèrent l'obscurité. Est-ce que je suis un rustler ? Pourquoi tout. Et c'est vrai que déjà, c'est quand ? Jusqu'au coup du hier. En plein jour. Hein ? C'est hier qu'on a essayé de faire un stream dessus. Ou avant-hier. Je crois que c'était avant-hier. Avant-hier, ouais, ça. Déjà, là, ça marchait pas. Ouais, c'était avant-hier. On devait se coucher, on avait été saoulés. Je te crois. Ouais. Tu connais des gardes. Hazard pourrait se servir de toi. Faut que je me protège de la salamandre. C'est à ça que servent mes contacts chez les gardes. Si tu le dis. Je refile quelques piécettes aux abrutis de Vincent et ils veillent à ma petite sécurité. Je te crois. Je te crois. Je crois que j'ai enfin compris. Enfin compris. Alors, non, toujours pas. Mais... Vincent Metz. Nice. Et main sur mes fesses. De son nom. Vincent Metz et main sur mes fesses. Qu'y a-t-il ? Oh putain, la gueule. Vous avez On dirait Jean-Pierre Castaldi, les gars. Dit, des monstres, la peste et vous. D'accord. Qu'y a-t-il ? Adieu. Ok, il n'y a plus. Donc on va parler à Le Varden. Le Varden. On se réveille. Des voyageurs. Alors, vous avez fait bon voyage. Je suis éclaté. C'est... Putain, c'est vrai, ça fait 3 jours, là. C'est costaud. Allez, dire que je pouvais tout. Putain, ouais. Ça passait vite, hein, quand même, encore. Ça passe toujours vite. Ouais. Il est où le Varden ? Un petit coup rapide ? Non, non plus, ça ira. C'est beau là par contre. Oui. Il est où ? Ça c'est là. Simple. Oui, c'est parce qu'on s'approche du crépuscule. Je ne peux pas méditer lorsque le feu est éteint. Je dois d'abord le rallumer. Ouais, t'inquiète. Il y avait des silex ou des trucs comme ça, non ? Non, je les ai vendus, ça, ouais. Non, mais... C'est trop beau, là. C'est beau, le ciel, je trouve. C'est joli. Pourquoi je peux pas dégainer mon épée, putain ? Parce que si je dégaine mon épée, je peux après utiliser mes signes et du coup je peux allumer le feu quand. Bon, c'est pas grave, on peut aller parler aux habitants des marais. De toute façon, fallait qu'on le fasse aussi. Hop, le passeur. J'ai des tarifs avantageux pour le. Ouais, ouais, on est au courant. Allez. Allez. Prêt ? Ah, il y a une sacrée gueule quand même, hein, lui. Dans les... Ils ont tous des sacrées tronches. C'est statique par contre. Ah oui. Ah, quoique. Non, non, regarde bien. Ça bouge un peu, hein. Bon, par contre, oui, il n'y a pas l'effet de. Je pense qu'il n'y a pas un effet. Comme par exemple dans du Breath of the Wild où tu vois la nuit tomber ou tu vois machin. Si. Petit à petit, tu la vois tomber la nuit. Hein. C'est pas comme ça, non. La luminosité qui change petit à petit. Il était quand même bien fait ce jeu. Tu vois, c'est pas statique. Mirtable, hein?
d'abord. Non, pas maintenant. Alors, les briquetiers. Ah oui, c'est vrai, j'avais foutu un truc dans l'hôtel des Vaudianoï, je sais pas si moi. Donc là, on est de retour à là où on était au tout début. Non, ça c'est les marais. Ah non, c'est les marais, d'accord. Ouais, j'imagine. Ah! Ils ont mis une pétale des bords à la place. Très bien. Très bien. Mettons une framboise. Qu'est-ce qui est ça? Tu peux comment communiquer avec? J'ai jamais compris. Puis les habitants des marais ne veulent pas t'en parler. C'est un petit peu le sujet touchy, tu vois. Ouais. Bon, j'ai buté le cannibale. Hein. Des bûcherons sournois et sans scrupules vivent par ici. C'est un nain qui les commande. Ok. Vizima se développe, et pour ça, ça fout des briques. Oui, ils partent tous comme ça, mon con. Bon, on va voir Vasquez. Voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche. Encore la vieille. Quel nom c'est pas la même. Ton. Ah non, bah, c'est pas la même, mais elle lui ressemble. La doyenne du village. Gérald, sorceleur. Elle lui ressemble un peu moins. Récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs? Résoudre tuer les monstres. Tu as une question? Alors, un sorceleur du nom de Berengar est-il passé par ici? Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici? Il posait des questions sur... C'est mystérieux, les vieux. ...alchimie. C'est sûrement Kalksten qui l'avait envoyé. Un jour, nous avons retrouvé son équipement couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. Loup blanc. Il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui ont attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Et à ceux qui sont secs. Vivants. Qu'est-ce que vous faites ici? Avec l'argile, nous façonnons des briques avant de les cuire. Et c'est rentable? Non. Si la ville exige toujours plus de briques, les transporteurs et les marchands accaparent nos bénéfices. Et si vous déménagez? Jamais. Les briques, c'est tout ce que nous savons faire. Comme vous voulez. Tu as une question? Non, je pensais que le stream était mal réglé, en fait, au niveau de l'image. Mais non, en fait, non, c'est bien coupé. À quoi ressemble-t-elle? C'est pas trop mal coupé. Puis ressuscité. Sans doute des noyeurs. Je vous en débarrasserai. Un petit peu coupé au-dessus. Je n'ai guère que 50 orins à t'offrir. Ça casse pas des briques. Ouais. Vers l'embarcadère. Mais prends l'autre route au carrefour. Ah, elle les capsule avec ses dents. Hein. Ceux qui nous persécutent. Les canettes de bière. Tu as une question? J'ai tué les noyeurs. Vous avez eu pitié de nous. Et pourtant, je vous ai trompé. Je n'ai pas d'argent. Mais vous ne partirez pas sans récompense. Prenez cette amulette. C'est Ezed, le symbole de la pitié. Cool. Oh, j'ai l'impression que c'est... Nous pouvons préparer la venue des seigneurs. Oh, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est Martin Mera qui fait la voix. Et recevons la grâce... Il a son âme aussi, putain. ...de la profondeur éternelle. Ça évoque les hommes-poissons, les Vaudianoï. Comment oses-tu? Ce nom est une offense pour nos seigneurs. Oh. On va lui parler à la vieille, putain. Ah bah il a... Les seigneurs de l'eau approchent. Discutons d'un travail éventuel. Il faut nous aider.
Un de nos enfants a disparu. Le garçon est toujours rentré rapidement jusqu'à aujourd'hui. Peut-être les créatures aquatiques l'ont-elles dévoré ? Blasphème ! Les druides ont dû l'enlever pour le transformer en dryade. Les dryades transforment que les filles. C'est bon, je vais chercher l'enfant. Encore 4 Sepiro et on est bon. Laissez. Un alchimiste du nom de Kaeksten prétend que vous en savez long sur le mage de la tour et sa sentinelle. Je suis sûr que son poireau sur le menton peut tuer aussi. Avec pour seul compagnon son apprenti. Mais l'apparition d'une femme change à tout. Un vrai début de conte de fées. Mais pas à la même fin, car c'était une mauvaise femme. Il assouvit ses moindres désirs et elle abusa de ses pouvoirs. Qui était cette femme ? Sans importance. Continuez. L'aveuglement de l'amour causa la chute du mage. Il en appela à des forces qu'il ne pouvait maîtriser et mourut. Qu'advint-il de la sentinelle ? La maîtresse du mage pouvait prédire l'avenir et le mage lui offrit un extraordinaire jeu de tarot. Il illustra chaque carte d'un événement à venir. Et ? Les golems gardaient la demeure du mage. Ceux qui ont survécu au ravage du temps vivent au cimetière, où ils restent immobiles. L'un d'entre eux est la sentinelle ? Oui. Le plus puissant des golems faisait office de sentinelle. L'une des cartes, la tour, illustre la façon dont il sera rendu à la vie. Alors seulement, la tour sera ouverte. Prenez cette carte. Je n'en ai plus besoin. C'était elle, la femme du mage. Ouais, ouais. Oui, il vient de le dire. Tiens. Est-ce qu'elle te raconte pas des conneries aussi ? Est-ce qu'elle te raconte pas des conneries ? Moi, je crois plus personne, hein. Ici, ici. C'est elle qui a le tarot. Mais c'était une mauvaise femme. En plus de ça, elle se fout de notre gueule depuis le début, donc. Ça colle. Mais le problème, c'est que c'est éjecté dès le premier chapitre qu'on passe ici. Ah ouais. Il y en a un deuxième où on passe là, donc c'est dommage. Mais elle dit bien qu'il lui a offert un jeu de tarot, qu'elle pouvait prédire l'avenir. Depuis le début, elle prédit l'avenir. Mm. C'est elle qui te file la carte de tarot, mais bon, faut pas te sortir de Saint-Cyr non plus. Alors, allons voir les bûcherons. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Puis le gamin, je crois, il est pas loin non plus. On l'a pas entendu tout à l'heure, le gamin ? Ouais, pas... Non. Non. Pas le même. Pas le même ? Non, non, non. Enfin, le modèle 3D, c'est le même, mais c'est pas le même gamin. Mmh. Hop là. Oh, c'était grotte. Alors, du coup, chat. Non, chat tout court. Moyen. Voilà. Maintenant, c'est Saint-Silico. Eh, ils m'attaquent, je les attaque. Là, ils sont violents. Ceux qui m'attaquent pas, je leur fais rien. Ok. Récupérons les champignons. Hop, parfait. Un corridor. Le corridor. Pas de paumé là-dedans, hein ? Non. Un fantôme. Encore un fantôme, mais ma femme est une pute. Ma femme est une pute, laisse-moi tranquille. Ah, j'ai perdu mon corps. Ah oui, ah. Et au lieu de voler, je me laisse attaquer. Oh, 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 oh. Ectoplasme, sarcophage d'Evran. Ah bah voilà, c'est un Sephiro. Au noir, c'est quoi ça ?
Les anciens téméraires, bon, bon. Les pièces, on est pas mal. Hop, nickel. Le cercle des pierres pendantes. Donc là, on va pouvoir avoir Quinn en pratique. Ah, on se fait attaquer. Mais sinon tu peux pas faire le truc quoi. Mmh. Voilà. Quen. Eh ben on en a plein la Quen. Oh putain encore un loup. Ah merde j'ai plus l'ambiance. Elle s'en est mis plein la Quen Stéphanie. Plus vite esprit. Bah non, tu peux pas éviter ce prénom vu que je peux pas faire de jeu de mots aussi. Déjà j'ai pas compris de... Bah Gwen Stefani. Oh là. Et non, j'évite pas des mots parce que t'as pas envie d'entendre le mot quoi. Alors très bien, dans ce cas je vais continuer de parler de mes IRM et tout c'est bordel. Bah c'est ce que tu fais hein. Donc je fais pareil. Et avec des loups là-dedans? On sait rien, pourquoi ça te dérange? Bah oui. T'es en train de buter des loups. Récupérons le foie encore chaud. Je les boufferai pas, hein, ces champignons verts. Hein. Ça tombe bien, c'est pas pour les bouffer, c'est pour en faire des élixirs. Ouais, mais les élixirs, tu les bois. Oui, donc. Bah, tu les ingères quand même. Les bases d'élixirs sont toutes hallucinogènes. Et pour ça, il faut lire le lore. Monsieur, je n'aime pas les élixirs. Je n'aime pas quand il y a trop de lecture. Mmh. Même un simple manuel pour te servir de quelque chose, tu ne le lis pas. C'est vrai. Eh oui, j'aime pas. Je lisais les manuels de jeux vidéo. Et ils en font plus. Mmh. Que peut-être que je te trouve le PDF du guide. PDF du guide. Mmh. Ouais, mais c'est pas pareil, tu peux pas le lire aux chiottes, quoi. Si, sur ton portable, tu vas me dire. Oui, bah c'est pas pareil. C'est pas de la vraie... On n'est pas vraiment dans le... On touche pas vraiment le papier, quoi. Ouais, quand il faut toucher du papier, c'est... Ah non, j'ai pas envie de dire. Il t'a fait un baquet, là. Oh là là. Imprime. Ouais, mais c'est pas pareil. Pas pareil. Que de gâchis. Allez, venez là. J'ai envie de défoncer des gueules. Allez, nique-les. Ils vont te sucer la gueule, je pense. Ils ont des gueules à sucer des gueules. Il faut qu'ils t'en posent. Oh putain, mais ils arrivent tous par derrière, les... C'est vraiment des bâtards. Thank you.
La petite figure. Tenez les enfants, si vous avez besoin d'un petit conseil, écoutez-vous. Si vous avez envie d'empoisonner quelqu'un de manière très simple, trouvez de la ciguë, faites une infusion. Avec un peu de chance, si vous l'avez mal dosé, il finit paralysé à vie. Avec beaucoup de chance, il décède. La ciguë. C'est facile à reconnaître, hein. C'est des plantes avec des têtes avec plein de petites fleurs blanches. Oui. Vous avez bien noté les enfants. Très utile le cibu. C'est comme ça qu'il est mort la faillette, non? C'est pas ça, tu vois? Comme qu'il s'était fait empoisonner. J'ai un doute. Ou alors c'était quelqu'un d'autre. On en a parlé hier. Mais l'empoisonnement à la cibu, c'est efficace, hein, rapide. Presque sans douleur. Presque. Ça marche, Nico. Bonne soirée, profite bien de ta famille. À plus. Eh, là, il fait nuit, hein. Oui. T'as pas vu la nuit tomber depuis tout à l'heure? Non, pas trop. Ouais, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu la transition. Merci pour les 100 bits, Lunico. Qu'est-ce que c'est que les histoires de bits? C'est peut-être dû à un accroissement de la bite. Qui t'es, toi? Gérald, le sorceleur. Je viens en ami. Tu viens en paix. À qui ai-je l'honneur? Yaren, je représente les bûcherons. J'aimerais vous parler. Parle. Vous avez du travail pour... Et merci pour le Prime, Luche. Ça fait des chocapics. Peut-être. Et Pep, ça fait des chocapics. Merci pour les 10 mois. Et ça a de la valeur, c'est ça. La drogue qu'on en tire en a... Quoi? Elle dit pas le mot chocapic? Et paf, ça fait des CHO. Et revenir partager. C'est n'importe quoi. À quoi ressemble une fleur de bidante, ni où la revendre. Merci pour le raid, Doris. Comment ça va, Luche? Alerte raid! Et Lodoris? Je vais mettre ma panoplie pour le reste. Merci à Doris pour le raid. Bienvenue à tous. Ça va? Putain. Ouais, ça va. Un peu naze là. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de la semaine, je trouve. Ah? De quoi? On n'a pas arrêté de la semaine, on a bien bossé. Bina, je l'ai. Je crois que je l'ai. Obélisque de Bina. Bina, je sais plus si tu m'as dit tout à l'heure. Séphira et Obélisque. Le vieux sortilège fonctionne encore. Bon, il me faut 5 fleurs de Bina. Combien? J'avais acheté le bouquin pour les reconnaître. Ah. Et du coup, elles vont se noter. Ça va être noté comme là, tu sais, myrte blanche. Salut, je m'appelle Quentin, je suis Montargis. Salut Kouasama. Hello Koua. J'espère que tu vas bien. Gwynbled. Salut madame. Bonjour madame. Que faites-vous ici? C'est un secret. Mais je profite. Au final, on n'a pas fait grand-chose, mais comment? Comment ça se fait? Adieu. Abonné. Cool, les Fenaoued. Doucement, Totten. Hein. Oh, il reste froid, hein, comme elle le fait assez souvent. La petite ciguë encore. C'est pas du tout cette gueule-là, la ciguë, en vrai. Yévin, comment va notre cher Yévin? Bienvenue au bosquet des druides. Merci. Salutations. Je viens dans cet endroit lorsque j'ai besoin de réfléchir.
La paix qui y règne rend les idées claires. Un mot de plus pour me dire comment trouver le foyer que je n'ai jamais eu et... je chiale comme un bébé. Le sarcasme... Oh, hello, Sir Platypus. Oh, un elfe psychanalyste. J'ai passé des décennies. Il va falloir remercier la personne qui fait rester les viewers pour qu'ils puissent les changer, qu'ils s'en fassent écouter. Et salut Sir Platypus, merci pour ton raid. Comment qu'il va celui-là? Bienvenue à tous. On continue un petit peu Witcher 1 avec Solène qui est ici et qui interprète Elvira dans les chroniques. Comment ça va? Vous étiez sur quoi Sir Platypus? Allons prier. Et très bonne course, j'ai envie de dire, avec Jamiro System. Pour le destin qui a été gâché. Witcher 1, ouais. Commencé, jamais fini, c'est dommage. Ils vont faire le remake là d'ici 2 ans. Tu pourras le recommencer, pas finir, si tu veux. Pour la souffrance. Merci, Yerdu à Lune. Ah merde, je peux plus parler, j'ai la pub. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a de la pub maintenant? Oui, il y a un remake du 1 prévu, Luch, ouais. Ça a été annoncé il y a à peu près 8 mois. Unreal Engine 5, pour le moteur, ils vont rien bouger à l'histoire, ils vont certainement refaire les doublages. Et du coup, on dira adieu au mur invisible. Ça va être complètement open world. Open world, ouais. Ça va être open world. Ouais, désolé, Sir Platypus, je ne sais pas pourquoi il y a des pubs maintenant. Des fois, il n'y en a pas. Je ne sais pas comment on règle cette merde. Donc, je disais, tu pourras tenter de le refaire puisqu'il ressort dans 2 ans. Enfin, il est remaké. Hein, il est en train de se faire remake sur Unreal Engine 5, comme je l'ai vu. Ouais. Et du coup, tu pourras le retenter et repas le finir. Non, on va prendre une arme en acier. Hop, on va le grouper, on va te les démonter, ces petits connards. T'as été le stream, sinon, Platypus? Ouais, on peut chier. Récupérons les organes tant que c'est chaud. Ah, on peut pas le régler, les pubs? Oh merde. Ah oui, bon, d'accord. Bon, on a sûrement des wyvernes dans le coin. Bah, ou un loup avec un prénom. Ils vont te faire un ravalement de façade du 1 et puis après ils te feront un ravalement de façade du 2, certainement. Hein. Le 2, le souci, c'est que je le trouve excessivement court. Donc si déjà ils le refont, autant le refaire correctement et puis rajouter éventuellement quelque chose. Hein. Il a fini God of War 2, ok. Incroyable, GG. Allez, viens dès là, les petits. Par défaut, ce seront les pubs quand tu débarques sur une chaîne. Mais ça, j'en ai déjà eu, ouais. Oh, saucisson légende. Moi, j'ai envie de bouffer du saucisson. Bah tiens, tu sais quoi, saucisson légende? On va faire honneur à ton follow. On va faire honneur à ton follow et on va aller couper du saucisson, n'est-ce pas? Allez, j'y vais. Ouais. Ouais, je vais en ramener ici. Je reviens, les amis, je vous laisse avec Solène, car je vais... couper du saucisson. Et on dirait qu'il est de nouveau en forme, hein. Ah, dès qu'on parle de saucisson, moi... En forme de quoi, je ne sais pas, mais en forme, en tout cas. Elle est où, cette connasse? Ah, elle est là! En forme de saucisson! Lol! Alors, viens là, salope. Hop, tac. Ah, les plantes vivantes. Un enfer. Bon, toutes les plantes sont vivantes, hein, techniquement. C'est pas T-Wolf qui me dira le contraire. Mais là, c'est des plantes vivantes qui nous explosent la tronche, donc je suis pas fan. De toute manière, toutes les plantes m'explosent la tronche, donc je suis pas fan. Oh putain, il a plus beaucoup. Hop. Je récupère mes petits restes et je vous le dis tout de suite. Il me manque... Non, c'est bon. Ok. Mais j'avais des wyvernes pas loin. Non? Si.
Voilà, parfait. Ah, génial. Alors, attendez. On va lier ça. Oh là. Ah oui, d'accord. Oula. Un bon slipper avec un bon rouge, ça c'est le bonheur. J'ai plus de rouge, c'est dommage. C'est un goût normal que quand on parle de viande, oui. Allez, viandard, hein. 1, 2, 1, 2, 3, 4, allez. Quatrième coup dans la tronche et c'est fait, parfait. On va pouvoir récupérer aussi le cadavre que j'ai vu un tout petit peu plus loin. Oh, c'est génial. C'est marrant parce que dans les marais, on a des noyeurs tout à fait normaux, mais quand on va dans les égouts de Vizima, on se retrouve avec des noyeurs bicéphales. Parce qu'on ramasse deux cerveaux sur un. Ils s'en servent pas, hein, mais bon. Mais non, c'est très bon le vin quoi. Un verre de vin éloigne le médecin, t'inquiète. Pas de préférence entre rouge et blanc, les deux vont bien. Après pour le blanc, je préfère quand même du blanc moelleux ou blanc sec. Et vous êtes deux là, il y a moyen de vous prendre des coups dans la gueule, merci. Hop là, parfait. Une petite wyverne, parfait. Attaque rapide, allez, c'est parti. On va la buter. Alors bon, il n'y avait plus que ça. Alors, il y en a du normal. Il y en a Almental. Ah putain. Et il y en a. Voilà. Noix. Du saucisson à la noix. Ah bah dis donc. C'est pas du vrai saucisson, ça. Il est pas ouf. Hein? Il est pas ouf, c'est ça? Un saucisson à la noix. Un saucisson à... Oh. Je fais des efforts. Hein. J'essaye. Ah, les alcools fruités, ouais, c'est pas de soucis. Hein. Une bonne suze à la pêche de vigne et à la framboise. Ça, c'est top, ça. Oh la vache! Oh la vache! Je vais mourir. Je suis morte. Je me suis fait encercler, je suis morte. Comme une merde. Oh merde. Tu fais gaffe à la chienne. Ouais, t'inquiète. Bon, il faut que je récupère 14 minutes, là. Ah bon. Où étions-nous? Non, ici. Même pas en rêve. Non, je dis même pas en rêve. Tu descends. Ah, tu feras pas ton lot avec moi, meuf. Hein. T'inquiète pas. Hein. Hors de question. Moi, je laisse rien passer. Tiens. Oui, bah la nuit. Oui, bah la nuit. Heure de l'apéro. Ouais. Les wyvernes, elles sont violentes quand même, hein, elles m'ont buté. Tu vois là, il s'agite, hein. Pas mal. Ça reste entre les dents un peu. Hein. Non, ça c'est le gras qui reste entre les dents. Bon, j'ai encore des restes là-haut. Attends, je vais juste chercher un truc. Je crois savoir quoi. Bon, on va reparler avec le Yaren Bolt là, qui va nous refiler notre mission. Et je pense que tu as deviné. Ouais, un sandar. Tiens. Yeah. Et là. Bon, je vais lui couper la tronche hein, parce que bon, on lui a déjà parlé, les gars. Qui t'es, toi? Gérald, le sorcier. Ah non, c'est pas la toutounage, papy, sinon, clairement non. À qui ai-je l'honneur? Yaren, je représente les bûcherons. Quand moi je dis non, c'est non. Même si tu râles, même si tu chouines, quand je dis non, c'est non. Vous avez du travail pour un sorceleur? C'est pas. Et Dieu, c'est qu'elle râle. Une paire royale.
Rien alors. Alors ça c'est con qu'il n'y ait pas eu l'image. Oh, le voir se casser la gueule comme ça, c'est magnifique. C'est ça. La drogue. Tu vas vraiment casser la gueule, mais je me suis couvré de siège, oui, effectivement. Je dois barboter dans la vase, affronter mille dangers. Alors ça c'est pas mal. Hein. Je sais même pas à quoi ressemble une fleur de bidon. Vraiment de la merde, ces trucs. D'accord. Je vais mettre ma panoplie d'herboriste. C'était beau. Ah, c'était beau. Je t'ai vu tomber, mais au ralenti, tu vois. Tu peux les vendre au gars du bac. Vraiment, mode. Oh mince, je tombe. Oh, oh, j'ai le cul partout. C'est parce que je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah non, je me suis assis sur la petite repose pied. Assis sur le fauteuil. Oh mince, je suis sur le repose pied. Ah, je tombe. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure, hein. Les enfants. Pas facile tous les jours, hein, les gars. Pas facile tous les jours, hein. T'inquiète, t'inquiète. Allez. Bon, en principe, la moraine, on est censé pouvoir se la taper, là, en échange d'une peau de loup. J'en ai plein dans, dans l'inventaire. Meuf, est-ce que je peux coucher avec toi, s'il te plaît, Gwyn? T'es plutôt bonne, en fait. Parlez-moi de la vie. Ah, pas mal, oui, c'est vrai. Même si elle est verte, j'aime bien. Isline, Notre-Dame. Je suis pas fan du vert, hein, mais. Êtes-vous comme les humains. Pourquoi ils sont à jouer les peines, notre fin est proche. C'est triste. T'es monstre, c'est triste. Non, je l'ai pas. Du coup, Yevin. Ou je reparle aussi. On n'est jamais à l'abri d'un échec sur côté de la vie. Lorsque j'ai besoin de réfléchir. Un mot de plus pour me dire comment trouver le sarc. Oh, j'ai passé des décennies. Vous parlez des quelles rêves. Et moi, je voulais vous. Ah oui. Que pouvons. Allons pour le pas, pour le sur le. Pour le destin qui était gâché. Ah oui. Je suis un sorcier. Je dois faire part. Des fois, la traduction, elle est. Je ne suis pas le bienvenu. Pas, elle est approximative. Quoi. En même temps, ah oui. Base, c'est un jeu polonais. Ah, mais... Donc, niveau traduction. Mais il dit ah oui, et puis en dessous, c'est marqué très bien, quoi. Tu vois. Dans la cité. J'ai deux de grignoter. Je vais tout ouvrir un petit peu, donc c'est chiant. Ouais. Alors, Mimani, un installé dans la cité, pourriez-vous me rapporter sa réponse? Je m'en occupe. Merci. Bah, j'aurais bien voulu lui dire. J'ai l'air d'un facteur, connard. On peut leur parler, eux. Aux druides, non, ils vont t'envoyer chier. Parce que c'est la nuit, donc ils vont juste te dire bonne nuit, vous revenez demain matin. Non, ou bestioles. Ou bestioles, non. Mais les bestioles, c'était... On peut leur parler. On peut pas leur parler, on peut les attaquer, donc. Pourquoi tu veux attaquer des bestioles qui sont inoffensives, regarde. Ouais, il n'y a pour rien. Bla 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 bla. Par contre, ceux-là, ils sont méchants, ils sont en rouge. T'as accepté la canne, du coup? Oui, oui, j'ai dit je m'en occupe. Merde, j'ai pris le glaive en armure. C'est complètement inefficace. Allez, crevez. Voilà, ça se fait. Ok. Et c'est là que je me suis fait buter, en tout cas pas loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Parce que ça me ferait chier de recommencer encore une fois. Oh non, je ne peux pas taper mes semblables. Je laisse les gens faire, quoi. Je me laisse faire depuis à peu près une heure, là, non? Je préfère regarder, moi, c'est pas trop mon style de jeu. Justement, moi, je te mets dessus, c'est pour que tu t'y mettes. Ouais, quoi, ça marche pas. Enfin, tu sais, j'y arrive, je sais pas, 40 minutes, quoi, mais... Surtout que l'histoire est intéressante. Mais ça, c'est le style de jeu de Platypus, de Julien. En même temps, les action RPG, c'est juste génial. Allez hop, eux. Ah bah ça, il adore. On y va. Il adore ce genre de... Hop. Et bien aussi les Die and Retry, me semble-t-il. On dégage, parce que lui, il explose. Parfait.
Voilà. Allez, crève. Crève, j'ai dit. Voilà. Quand je dis tu décèdes, point barre. Oh putain. Ouf, pi. Ouais, prof pi, fais pas comme... Tu le fais vraiment tous les jours, ce truc-là. Sauf qu'hier, c'était en vrai. En IRL. En vocal. En vocal, sur Discord. Il pensait être discret, le pauvre. Sauf que moi, j'ai gueulé. Qui s'est décapité ? Sûr, c'est le seul réflexe bon à avoir quand quelqu'un pousse. Ah bah tiens donc, il y a une équinope qui est en train de... Et ben on va la buter, comme ça c'est fait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné. Mmh. Oui, on est des privilégiés, quoi, en gros. Deux. Bah, il dit, je ne pète pas devant tout le monde, je suis pédique. Oh. Nous sommes des privilégiés. Quel honneur. Ok, des algoules, des ghouls, parfait. Là-bas, il y a les wyvernes que je dois défoncer. Ici, il me semble qu'il y a encore une équinope, exactement. Et viens là. Oh putain, tu l'as buté d'un coup, là. Deux coups. Deux coups, ouais. Presque. Le système de combat, tu m'as dit, dans les autres, il est pareil ? Non, non. Non, il est pas pareil. Non. Et si tu veux, un peu plus tard, je te montre ce que ça donne, comme j'ai réussi à Dell le 3. Ouais. Ah. Parce que... Là, c'est vrai que le système de combat, moi, j'ai du mal, quoi. Ah, il est un peu vieilli, forcément, mais ils vont mettre le même système de combat que dans le 3, il me semble, hein, dans le remake. Dans le remake, ils vont... Ah ouais, ils vont réadapter. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le réflexe de faire clic long et ensuite d'enchaîner les clics courts pour faire des combos. À l'époque, ça marchait bien. J'avoue. Aujourd'hui, c'est plus trop actuel. Ah ! Bonjour ! Non. Attaque rapide. Allez, meurs, vieux poulet. Allez, crève, salope. Bah tu vois qu'elles sont méchantes celles, maintenant. Oui, parce que celles-là, elles sont en rouge, elles sont pas en vert. Mmh. Oh la vache. Elle est en train de te niquer. Non mais quoi ? Putain, d'un coup ! T'as perdu ça de vie, d'un coup. Eh oh, la vache. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu bouffes ? Je sais pas, mais je sens qu'elle va nous gueuler. Ouais, je sais pas ce que t'as bouffé, hein, Pixie, là. Là, je suis un. Ah, allez, c'est pas possible, ce chien. Non, Miss. Non, tu, Pixie, tu restes là, tu vas pas me faire. Encore, tu vas pas te rendre malade encore, comme la dernière fois, hein. Non, Pixie, non. Tiens, non. C'est ce non. Ce chien est une catastrophe, mesdames et messieurs. C'est non. Le vieux sortilège fonctionne encore. On y retourne. Ah bah non, non. Va dehors. Va dehors si tu veux. Oh, vache. Allez. Mais crever. Je me casse. Il n'a pas explosé. Il n'a pas explosé. Attention. Non. T'auras beau aller. Hein. Et non, un toutou. T'as fait quoi ? C'est la tête ? Bon. Je n'ai pas d'huile contre les ornithosaures pour l'instant. Ornithosaures. Non. Non, Pixie, c'est non. Oh, t'auras beau aller. Tu connais l'ignorance ? Je
t'ai fait découvrir ce que c'était cet après-midi. Allez. File là. Allez, viens. Viens, Bouboule. Bouliche. Viens, Bouliche. Viens, Bouboule. C'est une vachette. Non, tu veux pas? Bon, bah on ferme. On ferme. Bon, on va essayer de faire un truc. Alors, déjà, hirondelle. Hop. Ensuite, liseron. Parce que j'imagine que c'est... Hop. Hein. Et... On va essayer de les avoir une après l'autre. Parce que si on se fait encercler, c'est là que ça commence à être la merde. Non, en plus les noyadés, ok, les noyadés attaquent les wyverns, c'est génial ça. Vas-y, donnez-moi un coup de main, je vous bute après. Donnez-moi un coup de main. Je vous attaque après. Hey, donnez. A plus, hier dual lune. A très bientôt. Et ce soir, un petit Saro cartoon normalement pour tous ceux qui le souhaitent. À partir de, je pense, 21h. 21h, Saro cartoon. On regarde des cartoons comme à l'époque de sa cartoon, quoi. Avec une petite sélection. Bon, ce sera un petit, hein, cette fois-ci. Il y en a eu un la semaine dernière, donc ce sera merde, un petit. Merde, elles ont buté les A. Elles ont buté les A. Elles ont buté les noyeurs. Ah oui. Je ne savais pas ce que c'était que des A. Non, pas de nouveauté ce soir. Non, on va rester sur du... Pute. Sur du traditionnel, là. Choisis la fuite. Pixie, ne reste pas là. Allez, pile. Pile de là. Je veux pas te voir ici. Il y a la fibre là qui passe. C'est non. Casse-toi de là. Allez. Allez, Pixie. Allez, Bouboule. Battez-vous entre vous au bout d'un moment, s'il vous plaît. Battez-vous entre vous, j'ai dit. Ah, je veux bien, je donne un petit coup de main, mais... Ça devient la petite tradition du dimanche soir. Ouais, bah, quand il y en a, hein, parce que je peux pas tous les dimanches, mais... Ok, bon. On va finir, moi. Arrête, Pixie. Chut. Dude. C'est un vrai bordel, là. Ouais. Non. Si, c'est la merde. C'est non. C'est non, Poutroule. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de pâter. Pour la fuite. Non, Pixie. Je pense qu'on tardera pas à arrêter. Non, la Pixie. Fini de leur casser la gueule. Hein. Ouais, casse leur la gueule. Elles sont chiantes, ces bordels. Oui. On est Wyvern. Wyvern. Ok, c'est un peu une en moins. Il y a encore des goules et des algoules. Putain, il y en a 140 000 là. Arrête, Pixie. Aïe, 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 aïe. Ne viens pas là. Viens. Algoul. Ah, les ghouls, les algoules, c'est un peu la même. Arrête, Pixie. Tu vois bien qu'on ne peut pas.
Ah putain, non! Pixie. Ah merde, Equinope. Ils t'ont niqué. Arrête, Pixie. Est-ce que je retente une dernière fois? Allez. Tu vas y arriver, aussi. Ouais, espérons, c'est chiant. J'amène la chaîne. Ouais. Un peu loin, parce que... Mais... Viens ici. Légèrement casse-bonbon. Encore, légèrement. Hey! J'ai déjà une épée en argent. J'ai pas d'huile contre les ornithosaures. Ah, par contre, j'ai de l'huile de Krynfried, éventuellement. Ça peut aider. Un petit poison. Et on y retourne. C'est la misère, hein. Tu es revenu, forcément. Tu n'auras pas de chips. Là, ma grande, tu rêves. Tu t'imagines même pas à quel point tu rêves. Disque d'Okma. Je vais remettre le petit papyrus dedans. On va récupérer les cadavres. Ensuite, on s'attaque aux hivernes. Ouais, ça va être chaud. Hein. On avait déjà augmenté la résistance et tout. Allez, une équino. Ça c'est fait. Mais c'est récupérer le cadavre de l'équinopie, non? Ok, je vais faire foutre. Oui. Ah non, mais il y en a trois en fait. J'essaie d'y aller un par un. Ouais, j'essaie surtout de dégager ceux qui attaquent à distance parce que ouais. Là, ils sont vraiment chiants. Ok, bon. Non. De nouveau une. Est-ce que ça repop pas à l'infini? Non. Oh bah non, c'est pas possible. Non, Pixie. Tu attends. Péniboulon. Pat, ce soir. Avec truc. Arrête, Pixie. Là, tu nous saoules. Merci. Merci, Poppy. Mais j'ai pas encore buté de Weaver, non. Ça va être chaud. Ça va être plus chaud, ouais.
C'est elles qui te foutent la misère, hein, à chaque fois. Ouais. Parce qu'elles sont extrêmement empoisonnantes. J'ai pris un truc anti-poison en principe, mais bon. Allez, hop. Entre vous. Je me casse. Oh merde. Ça prend nous deux. Arrête, Pixie. Là, c'est non. J'ai pas dû aller contre les ornithosaures. Non, tu ne viens pas là. C'est non. C'est non, tu ne viens pas là. Oh la vache. Ça commence à sentir. Oh là là. Merde. Et puis c'est gentil. Je vais faire un câlin. Oh putain, il m'en reste plus qu'une. Sérieux? Allez. Vas-y, tu peux le faire. Oh yes. Oui, bien joué. Oh, c'était chaud. Oh la vache. Bravo, bravo. Merci. Ouais, putain, ceux-là, ils étaient Allez, oui, pas common. Vraiment une horreur. Pas common du tout. Vraiment les trucs les plus chiants à buter. Oh, Pixie, c'est bon. Ah, une carrière. Oh, tais-toi, Pixie. Tais-toi, Pixie. Les steaks de wyvern, ça va nous être utile pour... Hé hey. Non. Une lettre tachée de sang. De l'argent. Que dit la lettre tachée de sang? Sorte. Tac. File, Pixie. File. Je ne peux pas la lire, c'est ça? Parce qu'il n'y avait pas envie des larmes, voilà. Pour agir la situation demande le nom de notre organisation, salutation secrète, le Varden. Ok. Oh. Mmh. Et sont mes ghouls. Pas loin, non? Ouais, elles sont là. Fatal ghoul. Peut-être bouffer un petit sandwich, sans que ça aille bien. On va remettre un peu de life. Ça lui a pas remis des masses. T'inquiète. Super, c'est pas grave. Et les goûts, ça, c'est bon, c'est possible. Ah, oh, Pixie, maintenant. Ok, il ne reste plus que deux algoules. Bien. Alors, une goule. Et les fleurs de bidon pour le mec à côté. On sera bien. Cool ça. Hop.
Y'a encore des restes là? Je me disais bien que j'en avais buté plus que ça. Allez! Bon, parfait. Non, Pixie. De la moelle. Là, du coup, j'avais récupéré. Obélisque DZ, je sais pas si celui-là je l'ai. Pixie! Si, il est là. J'accueille le bidon. Bidon, bidon. C'est pour mettre dans le bidet. Non, c'est pour faire du fistec. Ah oui. Ne viens pas là! Ne viens pas là! Allez. On peut 5? Ouais, j'en ai déjà 4. Je suis pas très loin. Non, Pixie. Encore une algoule? Il va pu me buter. Eh non. Ok. Vous piquez, monsieur. Il faudrait que tu te rases, algoule. C'est quoi la différence entre un ghoul et une algoule? Il y en a une qui est censée avoir des pics et l'autre non. Ah d'accord. Ils sont dégueulasses dans tous les cas. Mmh. Oui, ils ont pas des gueules de porte-bonheur. Dans le 3, ils ont pas du tout le même design. Festival. Il y en a aucune qui a un prénom, par contre ça me perturbe. Parce que je sais que il y a encore une bestiole avec un prénom qu'il faut récupérer. Mmh. Pour se faire payer par Vincent. D'accord. En général, les bestioles où il y a des contrats sur leur tête et où tu es censé. Ouais, elles ont des noms spécifiques. Ouais. Ah, Pixie. Hey. Allez hop là, ça se fait. Surtout qu'on est pas loin de la deuxième tour, donc en principe il devrait être là. Ne t'étouffe pas, voyons. Pas le moment idéal pour mourir. Allez, suivez-moi. On va faire une petite love parade. Là, c'est pas oui. Et... Allez. Vire de là. Vire. Vraiment. Vraiment. Vire. Ça me saoule. Qu'est-ce qui peut t'énerver avec elle? Ah oh, putain!
Franchement, moi, je m'estime heureuse. Hein. Mes animaux, c'est pas des sources de stress, ça. Pixie! C'est juste Balou qui est un petit peu forceur, mais à part ça, ça va. Oh! Festival! Pixie. Sois gentille, s'il te plaît. C'est une peste en fait, ta fille. Oula. Non, elle a besoin d'attention. Mais si t'en donnes pas, bah elle gueule. Au niveau attention, ça va. C'est les animaux qui en ont pas autant, hein. Qui a ma fille? Pas gentil. Tu veux jouer, je sais. T'attends. Tu peux jouer avec elle, hein, t'inquiète. En train de buter des bestiaux. C'est bien. Hein. Ah, bonjour. Bonjour. Vous avez pris rendez-vous, non? Doucement. Ah putain, il sait qu'il court, hein. C'est ça. Cours pour venir te casser la gueule. Obélisque de Nice, est-ce qu'on l'a? Il va y rester que c'est chaud. Hop. Stop. Stop it right now! Oh là là, le plus... Allez, casse oui. Bonbon. Kill. 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 Allez. Voilà. Mais bon, vous pouvez me laisser cueillir mes fleurs, là. Merci. Oh putain, non, pas une wyverne. C'est fou là, cette pute. Oh là. Sincèrement. Oh, c'est abominable. Une catastrophe. Ne fous pas la paix ici. Dingue. Alors bon. On a un cadavre par là. Excellent. Allons chercher un cadavre. Non, c'est affreux, oui, 5 km plus loin. Ah. Ah, d'accord, je vois où on est. Je vois où on est. Mais du coup, on n'était pas censé avoir plus de fleurs de bidon que ça. Ouais, combien? J'en ai 8. Heureux! Je dois apporter les fleurs de bidon au passeur sur le port. Ok. Parfait. C'est parfait parce que justement, le passeur sur le port, il faut passer par ici. Heureux, Béli! De toute façon, d'ici 10 minutes, on va arrêter, hein, je pense. Mmh. Si on va manger, déjà. Oui, il est là. Non. Pixie, merde! Voilà. Allez, file! Il essaie de gérer la miss. Essayons, quoi. Alors, on a récupéré des points. On va mettre les points. Alors, un talent d'argent, 3 talents de... Ok, alors bon. Attaque, esquive, on augmente. Attaque puissante, on a tout. Je préviens, tais-toi.
tout tourne. Dégâts plus 25, pas mal. Le sorceleur initié. Est-ce qu'on peut faire des... Ouais, l'huile de Krynfried, allez, c'est parti. Oui, on peut faire de l'huile. Oh oui, avec ses fesses, surtout. Tu fais encore de l'huile avec tes fesses? Je croyais que c'était que les petits coups bio. C'est un grand guerre, un peu, hein. Oh, elle est plus... Ok, bon. Et toi, Doudoune? Alors... Ça me gonfle, hein. T'as Ila, c'est non. Tu vois, un coup de patte là, dans le mur, c'est la fibre qui dégage. Elle était suffisamment chiant pour se faire installer ça. Donc c'est non. Yaren vous envoie son bon souvenir. Voici les plantes. Voilà 5 fleurs de bidante, comme convenu. 400 euros. Et salut Yaren pour moi. Quand même. Je n'y manquerai pas. Si. Quoi? Amène-moi de l'autre côté maintenant, mon gars. Allez, on se décide. Elle veut te connecter aussi. Prêt? Ben non. Oui, à la cité. Bon. Alors là, je suis sûr que si j'ouvrais une chaîne Twitch où je filme la chienne, peut-être pas 24, pas 24 heures sur 24 parce que c'est impossible, mais tu fais juste ça en quand ils dorment ou machin, je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça marche. Ça marche encore mieux avec un chat. Les chats et le net. Ouais. Moi, Angel, c'est ma mascotte. Hein. Les furets aussi, du coup. Aïe. Étrangement, les gens aiment bien les furets. Même si c'est des gros casse-couilles. On va sauvegarder, je pense. Je vais juste faire un tout petit truc. Même pas d'un minute, t'inquiète. Je veux juste que j'aille au feu de camp. Ouais. J'allume. Feu de camp qui est là. Que j'attends de midi et que je vois le Varden. L'enclos d'un groupe de loot. Oui, je m'en souviens de ça. Je suis tombé dessus sur cette chaîne. Groupe de loot? Oui, c'était un groupe de loot qui était dans un enclos et c'était ça, la chaîne. D'accord. Mais apparemment, maintenant, sur YouTube, on peut suivre des trucs comme ça. C'est des chaînes où on voit des animaux en direct à chaque fois. Eh, arrête, Pixby, s'il te plaît. Hein, comme concept. Pourquoi vous laissez pas ces pauvres animaux tranquilles? Et la chaîne des poules, en plus, ça. Ok. Non, ça, c'est amourante. Quoi? Quoi? Il est où, le Varden? Oh, Pixie, hey, c'est saoulant. Ça tombe bien. Oh, mec, faut que je parle. Le Varden. Ouais. Il y a pas mal de chaînes avec des pintades. Oui. Vous vous intéressez peut-être à l'art et aux bizarreries. J'en ai acheté une qui était censée receler un pouvoir magique. Mais ce n'est pas le cas. Et j'ai payé très cher un mage pour l'examiner sous toutes les coutures. Accepteriez-vous de me la revendre? Vendre ma tiferette? C'est que j'y suis attaché. Je merde. En plus, si tu fais tomber des chips, je ne crois pas qu'on vaille autant, mais j'accepte. Je prends la tiferette en amulette. Nous pouvons conclure l'affaire tout de suite. Merde, j'ai pas entendu. Ah. Oh. 500. J'ai les 500 euros pour la séphira. On n'a pas le choix. Ma pierre à regret. Mais si je refusais une aubaine pareille, ma réputation de cupidité en arrête, Pixie. La séphira est à vous. Parfait, il nous en reste plus de 3. Ouais. Comment vont les affaires? Vous croyez que je vends des navets? Eh, Pixie! Vous ne connaissez rien au monde des navets. Je vois. Vous confondriez des étoiles reflétées dans une mare et une nuit étoilée. T'as la gueule dans ton truc là, gros con. J'attends des nouvelles importantes. Discutons un peu. Ouais. J'ai presque terminé mon enquête. Très bien. Parlez. Faut lui parler autant de fois que t'as de trucs? Si vous ça, c'est un peu con. Avec la salamandre. Qui êtes-vous, au juste? Un modeste marchand. Acceptez ce cadeau en gage de ma gratitude.
Soyez un peu sincère, de clan. Ce symbole est le signe de reconnaissance de ma société secrète. Nous voulons détruire la salamandre. Vous avez appris quelque chose ? La salamandre a pris de gros risques. C'est un sujet très politique. C'est un sujet très politique, croyez-moi. Il se trame quelque chose en Redania. Seule une poignée de gens connaît ce secret. Le roi Foltes, la loge des magiciennes et moi surveillons la frontière nord. Quel rapport avec la salamandre ? Hasard, j'avais à détacher une troupe au nord. Il sent que quelque chose se prépare et il se tient à l'affût. Ouais. Pixie, descends ! Et t'es casse-burne, sérieux, ma grande ? Bon. 2245 qu'on a, ça va. L'enfant perdu, on le trouvera une autre fois. Yaren, faudra retourner le voir la prochaine, histoire de récupérer les thunes. Les 17 héros, il nous en manque deux, visiblement. Ouais, deux Sephiroth qui manquent. Comme on est au deuxième chapitre, ouais, il nous reste ça. Mais ça avance sacrément bien. Pixouille et papouille, oh ça rime, c'est trop mignon. C'est plutôt pixnouille, hein. Non, ça va, c'est plutôt bien, hein. Ça va, c'est très bien. Pas mal. Eh bien, écoute. Ah. Ouais. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il prend les coups de loup ? Non. Oh, dommage. Je vais voir les revendre à une sorcière. Sauvegardons ici ! Putain, j'aurais galéré avec les wyverns, mais on y sera arrivé. Ouais. Ouais. Ouais, c'est fait. C'est fait. Eh bien, écoutez, nous, ça va être ce soir pour Sarah Cartoon vers 21h. Je peux quitter là, hein. Ouais. Je vais vous envoyer chez quelqu'un quand même. Hop. Sinon c'est le FSS, hein, Meliriam. L'autre nom du caca. Ça marche aussi ? On va aller voir. À ce soir, profil. Je pense que nous allons aller voir. Burnito. Eh oui. Qui fait du Mario 64 Speedrunner. Bisous, Meli. Des bisous, les amis. Et à très bientôt. Donc, ce soir, pour Saro Cartoon, vers les 21h, bien sûr. Et en attendant, bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Allez, c'est parti, on va toucher Burnito et on lui fait un coucou. Bye. Ciao. Oh là là. La galère que c'est. Mon loulou. Ça va, mon loulou? Merci beaucoup pour le raid.